Bonsoir à tous, bienvenue pour ce grand rendez-vous NASCAR sur la chaîne Restart TV et le prologue, le numéro 0, le grand Frascar Clash, première édition, l'édition 2023 sur la chaîne précisément. Et je suis en compagnie ce soir évidemment de Jean pour développer ce fameux Frascar Clash. Bonsoir Jean. Bah bonsoir, merci. Et je suis également accompagné de Lucas Forclaz qui viendra nous épauler pour décortiquer un petit peu ce live. Bonsoir Lucas. Salut les gars, salut tout le monde, salut le chat. Comment ça va messieurs? On est prêt pour le clash déjà Jean? Bah ouais, écoute, très bien. Hâte de voir ce que ça va donner sur la piste, j'ai hâte de voir tout ça. On aura donc la particularité de cette épreuve, c'est qu'il y a effectivement des pilotes professionnels, donc des professionnels de la NASCAR, dont des pilotes et un mécanicien, il y a un journaliste aussi, et un pilote de la Coca-Cola Series, donc hâte de voir la physionomie de la course que ça va être. Ça, c'est... Exactement, on va avoir du beau monde, on détaillera un petit peu cette entry list pendant le clash évidemment. Lucas, c'est ta première course NASCAR là au commentary, tu nous accompagneras sur quelques manches du championnat dont on reparlera évidemment, un petit peu d'impatience j'imagine déjà là. Ouais, bah forcément, et puis en plus c'est vrai que c'est une compétition en simulation, mais qui au final colle très fidèlement à ce qui se passe dans la réalité, surtout bah, pour les passionnés qui nous suivent, donc ça va être très très intéressant justement de voir ce petit parallèle entre cette ligue-là sur e-racing et ce qui va se passer réellement, j'ai envie de dire. Exactement, et forcément on va coller au mieux à la réalité puisque c'est ce qui se veut dans ce championnat et le Frascar n'y manque pas. On va aller direction Los Angeles et le fameux Memorial Coliseum pour vivre ce moment précis, ce fameux stade qui ne manque pas d'accueillir des événements sportifs en réel évidemment, l'un des stades qui a accueilli deux fois déjà les Jeux Olympiques et qui en accueillera même une troisième fois d'ici 2028, qui deviendra le seul stade à avoir fait cette prouesse. C'est vous dire si le bâtiment est historique, et puis évidemment le premier Super Bowl a eu lieu dans ce Los Angeles Memorial Coliseum, c'est pour le petit côté historique du stade. Bien évidemment, il n'est pas adapté à la base à la course automobile, puisque c'est bien souvent du baseball ou encore du football américain qui se déroule dans ce stade. Et bien il faut l'adapter, et il est bien adapté depuis quelques années pour cet événement qu'est le clash, avec cette piste de 400 mètres. Jean, ça sort de l'ordinaire, ça se veut spectaculaire et ça l'est. Tout à fait, alors c'est une piste très petite, ça va être le short track le plus court de la saison, hein, clairement, hein, c'est du 0,25 limite mile, c'est même pas du 0,5, donc ça tient dans un stade, fallait le faire, ils l'ont osé le faire, donc c'était l'année dernière, mettre un circuit là-dedans, et le but c'est d'avoir une course de contact en fait, très plate, un peu comme à Martinsville, mais en plus petit encore, donc il n'y a même pas de place dans l'infield pour mettre des camions si vous voulez, c'est juste les voitures, mais une course très courte, 150 tours au total, et effectivement dans ce lieu mémorable. Et donc, hâte de voir, là, comme je disais tout à l'heure, la physionomie, comment les amateurs vont se débrouiller par rapport à professionnels, puisque l'esprit de la course, je rappelle, du Frascar Clash, et depuis sa création en 2022, c'est de pouvoir donner l'opportunité à des pilotes amateurs, fans de sim racing, de pouvoir se rencontrer des pilotes ou des gens professionnels de la NASCAR, en tout cas, qui ont un très fort niveau sur iRacing. Ça leur permet de leur donner cette opportunité. Et à donner l'opportunité aussi à certains pros de se mesurer les uns par rapport aux autres, puisque il y a des très très forts pilotes là dans le tableau. Donc eux-mêmes entre eux, ils vont se regarder, ça c'est sûr. Ouais, ça va être très intéressant à suivre ce mélange de pilotes réels ou de personnes influentes du monde du NASCAR. On les détaillera, rien que pour en citer qu'un seul quand même, Jean, parce que je résiste pas à cette idée, Keegan Lee. Le vainqueur 2021 de la e-series Coca-Cola. C'est ça, e-NASCAR Coca-Cola Series. Coca-Cola Series, effectivement. Il a fait le clash pas plus tard que la vraie saison Coca-Cola Series. Mercredi ou mardi dernier, je crois. Ouais, mercredi. Hein. Mercredi, un truc comme ça. 16e position pour lui parmi les meilleurs du monde. C'est ça. Voilà, ça vous pose un petit peu le tableau, je pense déjà.
C'est ça. Après, il y aura d'autres pilotes qui ne sont pas dans la Coca-Cola Series, qui ont un très gros niveau. C'est pour ça que j'ai hâte aussi de voir comment, quelle va être la physionomie. D'autant qu'on est sur alors open setup, donc a priori ils n'avaient pas prévu de setup les professionnels. Donc à voir comment ils vont se débrouiller dans tout ça. Donc ça va être intéressant. Oui, Lucas, on a déjà décrit un petit peu le tableau. D'avoir ce mélange entre pilotes pro ou influents et nos amateurs, entre guillemets, de notre championnat IIS, qu'on retrouvera dans 15 jours avec la première manche, ça donne déjà un petit peu des frissons de voir ce que ça va donner sur cette piste. Ouais, c'est ça, parce qu'on connaît très bien la difficulté du NASCAR. Forcément, sur des petits circuits comme ça, on a vite fait des pilotes qui vont se faire laper, par ceux de tête à la régulière. Là, sachant qu'on est une catégorie pro, une catégorie amateur, tout de suite, on va avoir une différence à faire. Donc, ce sera vraiment, la cohabitation entre les pilotes professionnels et les pilotes amateurs. Attention, une erreur, c'est vite arrivé, même en étant professionnel, même en ayant l'habitude de ce type de course, il va falloir faire avec, si je puis dire, des comportements peut-être amateurs sur la piste. Donc voilà, faire attention, ce sera vraiment le maître mot, se faufiler, éviter les erreurs et surtout anticiper peut-être des comportements qui peuvent être dangereux et tout de suite apporter des dégâts, des dommages. Enfin voilà, il va falloir vraiment faire un mix et vraiment tirer le meilleur de toutes les situations de course qui vont avoir lieu. Après, en termes de nombre sur la piste, ils vont être entre 20 et 25, 23 je crois, quelque chose comme ça. Donc ça c'est à peu près la même chose que sur le NASCAR réel. Donc au final, en termes de personnes sur la piste, elle sera pas surchargée. Ça, c'est une première chose, première info. Ensuite aussi, il y a Baldinus qui dit ouais, vous pensez que ça veut dire qu'on est nul si on a 79 tours de retard? Après, le but, c'est de participer et puis c'est de se dire je perds, mais pas face à n'importe qui. Faut garder à l'esprit que c'est des professionnels et que c'est pour le plaisir de c'est aussi pour ça qu'on a choisi que ce serait le clash, hein, c'est une course d'exhibition, ça compte pas pour les points. L'enjeu, c'est vraiment de s'amuser surtout et de prendre du plaisir sur la piste. Oui, on a vu quelques tours là lors de cette qualification plutôt intéressante aussi, dans le sens où ça va très vite, il faut vite se concentrer si on veut pourquoi pas partir tout devant ou choisir de partir un petit peu plus derrière. C'est peut-être le cas de certains d'entre eux qui choisiront cette option, mais on a déjà vu que ça va être très compliqué. Le banking, évidemment, on fait une croix dessus, ça vous l'aurez compris, sur ce petit tracé réadapté. Les Américains savent très bien faire ça, réadapter des salles ou des stades pour des événements qui ne sont pas forcément prévus à cet effet, et ils l'ont fait remarquablement avec ce Coliseum, et ça risque d'être au point sur ce nouveau clash ici, et l'adaptation sur iRacing évidemment est au rendez-vous. On a déjà hâte de voir ce que ça va donner. Le petit côté setup, comme tu l'as dit, Jean, qui peut inquiéter certains, cet open setup qui peut privilégier peut-être les plus férus de sim racing, là par contre, qui connaissent un petit peu plus les astuces sur le jeu, bien que ce n'est pas évident sur ce Coliseum qui, au final, hormis l'événement du clash, est très peu roulé. Oui, tout à fait. Après, on va voir comment ça. Alors, les pros n'avaient pas trop prévu de setup a priori, donc à voir que s'ils en ont trouvé un d'ici là ou pas, à voir s'ils vont adapter leur voiture ou pas. Je sais que globalement les amateurs ont un setup, mais globalement standardisé, je dirais. Donc à voir. Oui, ça peut rééquilibrer un petit peu les débats. On va voir. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on va dire que. Je sais même pas, apparemment, de ce que j'ai eu comme message, ils n'avaient pas prévu de setup plus que ça. Donc, on va pas assister non plus à des gens qui s'envolent sur la piste avec leur setup. Non. Donc, effectivement, ça peut peut-être rééquilibrer la balance. Effectivement. Oui, on va voir ce qu'il en est, en tout cas, sur ces setups-là et surtout sur ces pilotes dits un petit peu pilotes pro. Mon cher Jean, pourquoi ? Parce que il y a quelques invités du Frascar, des gens que tu as eu l'honneur déjà d'inviter pour des interviews. On rappelle le principe de ta chaîne Frascar, c'est d'être plongé dans le milieu du NASCAR au travers des interviews, au travers des reportages, au travers
la culture NASCAR que tu viens exploiter, que tu viens déballer aux amateurs sur ta chaîne YouTube, eh bien, ce sont des gens qui ont à nouveau répondu présent cette année pour ton clash. Tout à fait. Alors, sur les gens qui étaient déjà présents l'an passé sur le Frascar Class, donc il y avait Timothy Peters, TJ Peters, qui travaille à la PTGMS Racing. Donc, il est mécanicien là-bas, il adore le sim racing. Donc, c'est pas un pilote. Alors, je ne connais pas trop son niveau sur iRacing. Je sais qu'il pratique de temps en temps. Après, son niveau pur et dur, je ne connais pas. Donc, ça sera vraiment une découverte aussi là-dessus. Mais il était déjà présent l'an dernier. Il avait fait plutôt une prestation pas mal. Ensuite, Ulysse Delso sera là. Donc, c'est un pilote de NASCAR Williams Euro Series que je n'ai jamais eu la chance d'interviewer jusqu'à maintenant. Mais qu'on connaît très bien, qu'on a déjà rencontré. Et qu'on échange très, très régulièrement avec lui. Il avait déjà couru aussi sur des épreuves de sim racing aux côtés du Frascar. Donc, c'est. Voilà, c'est un très bon pilote et presque copain, donc ravi de l'avoir sur la ligne aujourd'hui. Keegan Lee, donc il n'est pas participé au premier, donc parce qu'on a fait connaissance après et que j'ai pu interviewer sur la chaîne effectivement, qui est champion 2021 Coca-Cola Series, juste pour rappeler. Frédéric Ladouceur, qui est un pilote de Sportsman. Alors qu'est-ce que c'est que le Sportsman? En fait, c'est une, on va dire pour faire simple, une division locale du Québec de Stock Car. Et donc Frédéric Ladouceur en est un pilote qui est très sympathique, c'est un pilote francophone. Et qui avait déjà participé au premier Frascar Clash également, donc il a répondu présent à nouveau. Trayton Labzevich, donc je l'ai pas dit. Trayton Labzevich n'a pas participé aux premières éditions. Et le Poleman. Parce que je ne l'ai pas encore interviewé en fait, mais on était déjà en contact pour faire cette interview. Elle était intéressée pour faire le deuxième clash, et donc il est présent aujourd'hui. Oui, présent aujourd'hui et il devrait s'élancer tout devant Titan, donc c'est déjà une bonne information. Il portera ce numéro 20 aux côtés d'Eric Ramirez. Eric Ramirez qui avait fait les deux prestations sur les deux test races hein, pour le championnat. Il s'en était plutôt bien sorti. Guillaume Hénault aux côtés de William Godot ensuite, Frédéric Ladouceur, Luis Delso pour deux pilotes invités par Jean sur ce Frascar 2023. Yolo Pacchielli et Keegan Lee finalement sur cette nouvelle ligne. Ouais. Damien Acerenza aux côtés de Bruno Ledoiré et puis Jimmy Bouvier, Lucas Rey pour le top 12 de ces qualifications. Vous découvrez le reste du plateau: Frédéric De Witt, Lionel Marbesi, Paul Jouffreau, Vincent Bilodel, Arnaud Patinec, Gianetto Giovanni, Maxime Hérault aux côtés de Mario Rocha et Seth Egert. Juste devant Emmanuel Angulo, le dernier pilote de ce clash assez lancé. Ils seront donc 22, les voici lancés pour 150 tours. Et c'est parti, donc Trayton Labzevich qui est Guillaume Hénault qui tente. C'est incroyable de commenter. Alors c'est dommage parce que visiblement le pen scheme de Trayton ne sait pas. Et ça. Ouh, et c'est ça parti, un premier contact et gros contact. On va partir sur un premier yellow. Ça s'est accroché notamment avec Eric Ramirez, la numéro 50 là, qui est parti à la faute. On a fait demi-tour, on est venu heurter un petit peu le mur intérieur et derrière ça s'est encore écharpé un petit peu. C'était prévisible hein, de toute façon messieurs, mais en tout cas voilà, on aura fait deux petits tours et puis tout de suite voilà une première info, il faut placer les voitures comme il faut. Ah, il faut faire attention sur les relances, il faut faire attention de se placer, c'est un peu c'est un circuit très la piste est plutôt large on va dire, mais effectivement il va falloir faire attention à ses côtés, pas se faire avoir, pas glisser aussi. Attends, on va voir. Ouais, c'est avec Godot, avec William Godot et Eric Ramirez là pour le coup. Tout à fait. Et on voyait Frédéric Ladouceur, je pensais qu'il y avait Frédéric Ladouceur d'impliqué, mais au final non, il s'échappe juste devant. Ouais, et ça s'est encore écharpé encore un petit peu Frédéric devant. On va revoir d'un autre point de vue avec le numéro 46. Et on va voir ce qui s'est repassé derrière. Oui, même chose. Et on immobilise la voiture. Pas de dégâts, je pense. Ça s'est à peine touché, ça a juste fait un petit tête à queue. Prévisible tout ça un petit peu Lucas là sur cette phase, première phase de départ où on n'a pas forcément, peut-être hormis les pilotes pro, mais nos pilotes un petit peu plus amateurs, un petit peu moins habitués à ce genre de piste.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on est sur un format qui n'est pas, on est sur un format qui n'est pas classique. On est sur un format où il n'y a pas de banking, donc automatiquement, ça va être voilà, jauger vraiment les freins, les phases d'accélération. On est sur aussi un début de course, donc peut-être un petit peu de sous-virage. Donc forcément, on essaye au plus de garder la ligne, mais c'est vrai que c'est vite arrivé de dépasser un petit peu sa ligne et de venir percuter l'arrière gauche, notamment dans ce cas-là. Et ça avance très vite. Oui, c'est reparti tout de suite et on va voir si on s'en sort un petit peu mieux. La numéro 46 a pu reprendre la piste, on avait peur du black flag avec le contresens, mais il n'en avait pas encore tout de suite. Retouche. Ça retouche et là ce n'est pas neutralisé. Par contre, messieurs, ça c'est intéressant à voir parce que cette numéro 38 a pris le meilleur. Bruno Le Doiré. Ouais, Bruno Le Doiré et il y a quand même un deuxième jeu. Et le drapeau jeune. Et c'est numéro 19, c'est Ulysse Delso, donc un professionnel, donc il s'est fait un peu harponner, mais bon, pas de dégâts pour l'instant. Pour l'instant. Ça quelques va. Mots sur Ulysse peut-être oui, rapidement. Bien sûr. Jean, on profite du yellow. Tout à fait. Alors Ulysse Delso, il est champion NASCAR Winner Series Division 2 de 2018. Et effectivement, il a la particularité comme pilote d'être autiste, donc c'est pour ça aussi qu'il arbore certaines couleurs sur sa voiture aujourd'hui. Et voilà, c'est l'un des rares pilotes autistes qu'on peut avoir en sport automobile. Et c'est un grand plaisir de l'avoir. Il était déjà présent lors du Frascar Clash numéro 1. Et c'est un vrai plaisir. Je pense que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur la piste aujourd'hui. Malheureusement, là, il est impliqué dans ce petit accident. Ouais, je pense que c'est plus ce deuxième incident, les amis, là, qui a déclenché le yellow avec Vincent Bilodel, qui a été bloqué par la numéro 65. Alors, peut-être la voiture de. Alors, attendez. Qu'on s'y retrouve, cette numéro 65. Lionel Marbesi, voilà, qui était tout en travers de la piste, là, qui a généré ce petit bouchon et donc ce second yellow après seulement 10 tours. Sur ce premier Frascar Clash diffusé sur Start TV. On peut voir l'excitation du départ, l'excitation d'une course, l'arrivée d'un nouveau championnat. C'est aussi le temps entre les concurrents de se jauger, de savoir voilà comment les autres se comportent en piste. Donc faut faire attention. On peut voir dans les ralentis que là il y a quand même beaucoup de précipitation vraiment dans les comportements. Donc vraiment ralentir sous drapeau jaune, essayer d'anticiper parce que voilà on voit des petits bumps à droite à gauche. Voilà, je pense que là il sera vraiment important de prendre la mesure de la durée de la course, même si c'est vrai qu'elle est plus courte que les autres courses de la saison. C'est vrai que là je pense qu'on va rentrer sur une petite accalmie parce que je pense que chacun oui. veut quand même faire deux ou trois tours sans qu'il y ait d'accrochage. Donc voilà, je pense que là on a eu ce petit départ agité. Je pense que chacun maintenant va faire plus attention parce que voilà le but n'est pas non plus de faire une course trop hachée justement par ces drapeaux jaunes. Et c'est reparti. Ça va repartir. Et je vois que Triton Lavzevich est crédité 18ème. Est-ce qu'il a, ouais, il a été impliqué? On n'a pas fait attention. Alors, il me semble que je l'ai vu rentrer au stand sur le deuxième yellow. Je à confirmer, mais c'est ce que m'a vu, m'a laissé entendre avec ce skin un petit peu tout blanc. Ouais. Il est un peu plus reconnaissable, mais il me semble qu'il a plongé dans les stands tout de suite au début du deuxième yellow. Et on repart et troisième yellow. Et on a parié dans le chat, les amis. J'ai vu des pronostics. 18 yellow, certains ont pronostiqué, c'est assez précis. Sachez qu'il n'y a rien à gagner hein, si je vous pronostiquais le bon nombre de yellow, mais c'est vrai que là voilà, on est sur le troisième. Chaque relance est un petit peu délicate et on sent que les pilotes ont un petit peu de mal voilà, à prendre la mesure. Alors, du placement. On va voir qui. Ah, Ulysse qui est encore. J'espère pas trop. Il y a une petite touchette de la 40. La voiture sur le toit. C'est de la numéro 10. Je me souviens pas qui c'est. Alors là, le premier contact est entre effectivement Eric Ramirez sur Ulysse Delso. Ouais. Mais ensuite, il y a sur accident avec la 66, c'est Fred DeWitt qui vient. Malgré tout, aller sur l'extérieur, mais vient rentrer en contact. Et après, oui, il y a sur accident derrière avec une voiture qui finit malheureusement sur le toit.
Ouais, je pense même qu'il y a une petite touchette de Aserenza, je crois, sur la R qui fait que voilà, il y a ce petit justement effet domino où une petite touchette automatiquement amène le changement de ligne et amène le contact final. Voilà, bon bah on est reparti pour un yellow flag et ça va repartir d'ici un. Les tours s'égrènent vite mais c'est après vrai. C'est effectivement comme tu disais, c'est les pilotes doivent apprendre à, si on veut, pas trop bumper trop fort, parce que c'est ce qu'on constate, et à bien anticiper les points de freinage des autres, parce que ça se rapproche très vite de la voiture de devant et faut pas la bumper. Et puis pareil, si je le bump et que celle de derrière me bump aussi, c'est ce qui est arrivé de plusieurs fois déjà, bah ça fait un petit bouchon et bah ça part après, hein, heureusement. Donc espérons que ça va faire un peu de green flag et être un peu plus prudent, mais j'en doute pas. Je ne doute pas sur cette relance. Ouais, en tout cas, on a Gianetto Giovanni déjà relégué à un tour. Après tous ces yellows, je pense que c'est peut-être le pilote qui a pris un petit peu trop de dégâts et qui a dû peut-être perdre un petit peu de temps dans les stands pour réparer l'auto. En tout cas, c'est compliqué pour lui, semble-t-il. On va attendre le restart. On voit que les feux de la safety sont éteints, donc... Bah, c'est comme une course traditionnelle, hein. Ça signifie que ça va repartir sous peu. Et Guillaume Hénault devant, aux côtés de Bruno Ledouaré, ça se passe bien. Ouais. On joue un petit peu là-haut, bump avec la relance, bien relancé par Guillaume Hénault. Et Bruno Ledouaré sur l'extérieur s'est fait un petit peu surprendre, j'ai l'impression. Attention, parce que ici, voilà, on va replonger pour la 51. Frédéric Ladouceur, une position de gagner. Là, on commence à comprendre aussi un petit peu l'intérêt du banking, parce que lorsqu'on n'en a pas, on retrouve toute l'importance de la trajectoire intérieure. Tout à fait, il faut être très vigilant quand on plonge à l'intérieur, puisque l'autre pilote va avoir tendance à resserrer. Et donc, ça peut créer aussi un petit bump latéral qui va nous faire partir en tête à queue. Ouh là là, Frédéric qui survirait. À l'instant, petite difficulté. Drapeau jaune, il me semble, indiqué. Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que on est vraiment sur un drapeau jaune ? On est encore sur un nouveau drapeau Eric jaune. Éric Ramirez, oui. Alors, il nous aura animé la course, le pauvre Éric. Mais c'est pas de sa faute, c'est Luc Carré qui se fait bumper par Luc Carré. Et ouais, sur l'extérieur, la numéro 40 qui vient ramasser tout ça, évidemment. Alors, dommage, ça repartait bien. Ouais. C'est vrai que je tiens à dire aussi qu'on se rend pas forcément compte comme ça. On se rend pas forcément compte parce qu'on a une vue aérienne, mais il faut bien évidemment s'imaginer qu'ils sont en vue intérieure, et qu'en vue intérieure, c'est pas aussi simple d'éviter, parce que mine de rien, ça arrive quand même assez vite. Donc là, en fait, on imagine forcément que le dernier contact, le pilote essaye d'éviter la première voiture en travers, et en se décalant à droite, vient percuter un autre concurrent. Faut bien s'imaginer qu'ils n'ont pas la même visibilité que nous. Ça peut paraître assez simple d'éviter, mais ça reste quand même très vite arrivé, et malheureusement, on est obligé parfois de venir percuter un concurrent parce qu'on ne l'a tout simplement pas vu, ou qu'il est trop tard pour l'éviter. Il est trop tard. Là c'était Luc Carré, c'était ça, j'ai l'impression. Il a freiné un peu plus tard, il est arrivé pile là, juste sur la voiture, il l'a posé et ça fait partir. Ouais. De toute façon, on sent que pas grand monde va être épargné. Messieurs, il va se passer un petit peu quelque chose pour tous nos engagés. C'est vrai que il faut gérer en plus ces voitures qui sont, on le rappelle, hein, quand même des monstres à la base. Sur un petit circuit de 400 mètres, c'est vrai que ça rend les choses encore un petit peu plus compliquées. La voiture numéro 18 de Keegan Lee, et on voit que les professionnels arrivent à échapper à tout ça, et ils sont en groupe, Trayton, je crois Paul Jouffreau et Ulysse Delso se suivent à peu près, Keegan aussi remonte, Frédéric Ladouceur, Seth Egart également, et je sais pas si Timothy Peters a rejoint, enfin était là dès le départ, je ne crois pas. J'ai pas vu Peters. Je pense qu'il a pas pris le départ. Il a pas pris Timothy. Le départ. Oui, Timothy est absent. Et Trayton Lapsevich est quand même remonté. Il était 20e tout à l'heure. Il a repris 10 positions. On voit quand même que voilà, il y a peut-être certaines facilités où on a peut-être un petit coup de main différent du côté de ces pilotes un petit peu plus habitués. C'est vrai que ça fonctionne. Peut-être un petit peu mieux pour certains. On voit notamment Frédéric Ladouceur, lui, bien installé sur les avant-postes. Une nouvelle relance pour Guillaume Hénault. Attention à ne pas se faire surprendre par Bruno Ledouaré, qui est très en forme, le pilote de la Kraken.
à voir ce qui va se passer ensuite. On est plutôt safe là pour Frédéric La Douceur parce qu'on est en train de se faire attaquer aussi sur l'extérieur par par Lee. Lee qui est très patient. Je l'imagine dans sa voiture, il doit être en mode tranquille. Il essaye Bruno Ledouaré d'inverser la position avec Guillaume Hénault qui a laissé la porte ouverte sur l'intérieur et prise des commandes par Bruno Ledouaré et nouveau yellow, 30e tour. On aurait un petit peu d'animation devant entre ces quatre hommes et attention à se méfier aussi à William Godot sur la numéro 03 qui était bien placé pour mettre une pression supplémentaire à Frédéric La Douceur. En tout cas on a eu 4-5 tours là messieurs. Assez intéressant, on va revoir ce qui s'est passé et ce qui génère ce yellow. Ouf. Il y a un netcode, non? Alors je sais pas si c'est un netcode ou pas, mais en tout cas, s'il n'y a pas netcode, il y a bump sur la voiture de Pacchielé de la part de Paul Jouffreau, vraisemblablement. Est-ce que ces erreurs-là, donc je pose forcément la question à ceux qui jouent, est-ce que justement ces petites erreurs qu'on voit, est-ce que c'est pas justement une habitude d'avoir du banking qui fait que là, vu qu'on n'a pas de banking, on est un peu déstabilisé parce que forcément, si on n'amène pas assez de freins tout de suite à l'intérieur, automatiquement, on va avoir ce sous-virage qui va se former et qui va venir percuter parce que c'est vrai que sur la majorité des contacts qu'on a pu voir dans ce début de course, c'est vrai qu'en général, c'est la ligne intérieure qui vient percuter celle du milieu. Est-ce que ce serait pas dû justement à ce format, on va dire, spécifique de ce début de saison? Après, moi, je ne pratique pas, mais sur la physionomie, ça me choque pas vraiment puisqu'on on voit les erreurs comme on peut voir celles en vrai, c'est-à-dire que freinage un peu tardif, on a tendance à beaucoup bumper. C'est un circuit déjà de base en réel où ça bump beaucoup puisque c'est assez serré dans le paquet, donc c'est un peu l'esprit de cette course. Après, vu qu'on est en plus sur Sim Racing et en plus pilote non professionnel pour la plupart, ça a plutôt tendance à vouloir un peu pousser, peut-être à moins anticiper. Mais et à mon avis, ça va comme on disait tout à l'heure, ça va tranquillement trouver ses marques. C'est un peu comme à Bristol, hein, comme on avait vu la dernière fois. Oui, au fil du temps, le drapeau vert s'est allongé jusqu'à atteindre un vrai rythme. Donc voilà, et on voit des belles batailles effectivement devant. Après il faut faire preuve de patience, on peut pas passer tout de suite, faut l'accepter, faut attendre le bon moment, se placer sur la bonne ligne et pareil, pas changer de ligne de manière intempestive, faut bien anticiper. Que voilà ce qui se passe, ça a touché derrière. Et voilà, ça a retouché William Godot parti en travers. Est-ce qu'on va avoir la nouvelle neutralisation, la sixième? Oui. Forcément sur cette relance et les questions dans le chat, hein, on les voit et elles sont répondues par les férus de NASCAR. Évidemment, on demande si c'est fréquent ce genre de autant de yellow sur si peu de temps. C'est la piste, c'est le fait qu'on soit sur quelque chose d'extrêmement petit, avec autant de monde, avec des différences de niveau également. Et on voit que peu importe finalement le niveau, c'est très compliqué de bien se placer, de faire comme il faut. Systématiquement, les relances sont vraiment très compliquées parce que déjà sur un speedway ou un super speedway, on remet tout le monde en paquet, mais là on remet tout le monde en paquet, c'est quasiment un départ à chaque fois. Oui, c'est ça, on a vraiment l'impression qu'il y a une certaine précipitation, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'on voit, j'ai plus le numéro de la voiture, mais qui du coup perd un petit peu de temps, perd un petit peu de motricité, et tout de suite on voit le pilote de derrière essayer de s'engouffrer, mais c'est déjà quelque part trop tard, le virage est tellement vite arrivé, c'est tellement un circuit qui est court, qu'on rappelle c'est 400 mètres, hein, c'est une piste d'athlétisme, c'est tellement vite arrivé que finalement c'est vrai qu'il faudra s'armer de patience, vraiment préparer les dépassements pour éviter tout simplement qu'il y ait des drapeaux jaunes assez souvent. Oui, on voit tout encore ces voitures au ralenti. Forcément, on va attendre cette nouvelle relance. 39e tour, 6e yellow, messieurs. Finalement, peut-être que le 18 n'est pas si
si fou que ça, oui, comme on explique dans le chat, on va voir ce qui s'est passé. Mais voilà, en plus on revoit les ralentis, c'est souvent un petit peu la même chose, on se fait un petit peu surprendre désormais sur les freinages, on vient percuter la voiture de devant et puis ça part tout de suite en glisse forcément, et puis après bien on enchaîne un petit peu les contacts involontaires pour éviter. Compliqué. En tout cas, nos deux hommes de devant, le Doiré et nos Lee et la Douceur, sont vraiment les quatre pilotes qui s'en sortent, on va dire, un petit peu mieux que les autres pour le moment. Après, comme tu disais tout à l'heure, la différence de niveau, on la ressent pas encore trop. Parce que là, non. Ça va. Ah, il n'y a pas de drapeau vert. On va la voir vraiment quand le drapeau vert va s'allonger. Là, c'est plutôt des erreurs, effectivement, d'échauffement, j'allais dire. Où les pilotes doivent trouver leur marque et j'espère qu'ils vont tous le trouver pour leur plaisir de pilotage. Effectivement, comme on voit ici, on essaye de s'engouffrer vite à l'intérieur, mais il suffit qu'on patine un peu et on va se faire avaler par les gens de derrière qui vont tenter des dépassements. Il suffit qu'on se retrouve à trois de front en plongeant dans un virage alors que l'autre nous a pas vu. Bah, c'est là où on va se toucher et que, bah voilà, regardez, Frédéric Ladouceur, ça calcule bien, qui est suivi de près par Triton Labzevich. Bruno Ledoiré qui est en tête derrière Guillaume Henault et derrière Keegan Leahy. Et vous voyez, oui. Ça se presse pas, ça se précipite pas, ça veut jouer la patience, là ça va. Ça, on espère que ça va, pour eux que ça dure. Oui, c'est chaud à droite là sur les images entre Paul Jouffroy et Triton Labzevich. Et ça a permis à Lucari de passer avec la numéro 16 et elle repart à la faute avec peut-être un petit bump de la 33. Paul Jouffroy qui part là au contact avec le mur et nouveau yellow. Messieurs, après ces quelques tours intenses là de bagarre aux alentours de la sixième position, alors que devant on avait un petit peu trois pilotes qui s'étaient échappés légèrement sur cette phase de restart à nouveau et le contact Lucarey qui a été mis à contresens ou qui est parti à la faute. On va revoir ce qui s'est passé précisément. Triton Labzevich qui a bien vu, il s'est bien redécalé et Paul Jouffroy qui vient s'engouffrer, Lucas qui part tout seul sur la réaccélération et du coup Paul Jouffroy est parti à la faute sur le virage d'après, parti heurter le mur, messieurs, ça c'est important à signaler aussi, et la manœuvre pour Lucarey pour remettre la voiture en piste, c'est assez délicat. Ça braque pas trop. Voilà, ce que j'allais dire, on rappelle que ces voitures-là ne sont pas faites avec un angle de braquage exceptionnel, mais c'est sûr qu'on se retrouve, bah là pour le coup c'est une erreur à la réaccélération, peut-être un peu trop d'angle au niveau du volant, mais comme tu disais, on se jette tout de suite à l'intérieur, n'ayant pas de banking, l'intérieur est forcément la trajectoire la plus courte et la plus rapide, donc c'est aussi pour ça que parfois on peut avoir justement ce comportement de essayer de forcer un petit peu plus l'intérieur, parce que à partir du moment où on verrouille l'intérieur, automatiquement on sera forcément plus rapide que les deux lignes extérieures. Oui, c'est fameuses deux lignes extérieures. Lucari qui est toujours là, donc il y a peut-être un petit peu de dégâts sur sa voiture, on va voir s'il fait le choix de rentrer au stand. En tout cas il est au ralenti. Sur Lucas qui est impliqué dans trois neutralisations déjà, malheureusement. Après, les pilotes aussi se disent bien aussi, ils ont un peu la pression dans le sens où 150 tours ça peut aller vite, surtout sous drapeau vert. Donc peut-être aussi, on est sur vraiment une course type sprint, c'est pas trop l'habitude d'ailleurs de la NASCAR, qui est plutôt sur des courses longues, donc... Les pilotes sont peut-être un peu trop pressés parfois, ou peut-être avec la pression des pilotes derrière aussi, de savoir qu'il y a des pilotes connus. Je ne sais pas, ce serait intéressant de connaître leur ressenti. Mais c'est vrai que ça ne doit pas être évident. Et puis le fait de ne pas pouvoir tourner trop sous drapeau vert fait qu'ils n'ont pas trop le temps d'être très chauds. Pareil, les pneus, on n'en parle pas, mais bon, là, ils doivent être chauds maintenant. Mais effectivement, il y a toujours ce fait de ralentissement, repartir, rendre en ligne. Pas évident. Et après, il faut tout de suite retrouver ses marques pour pas recréer une neutralisation. Et le drapeau jaune. Ouais, voilà. Nouveau jaune, à peine reparti. C'est le 8e ou 9e déjà, hein, je pense, pour ce nouveau restart. On va voir ce qui s'est passé cette fois-ci avec la numéro 61 de Mario Rocha. La Ford de Rocha. Oh oui, harponné un petit peu là par la numéro 40 de Damien Acerenza. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, messieurs, on rentre, voilà, on vient plonger faire plonger la voiture sur l'intérieur,
systématiquement, c'est la plupart des causes de ces yellows hein, en général. Ouais, l'intérieur qui va vers la première ligne en fait, qui vient tout de suite. En fait, faut vraiment, je pense, surbraquer pour garder cette première ligne. Et c'est à partir du moment où effectivement on va voir la voiture passer de la première ligne à la deuxième ligne, c'est là souvent où le contact se produit. Et là maintenant, c'est vrai que sur les différents drapeaux jaunes que l'on a eu, ça était généralement la cause. Oui, cette fameuse cause. Et petit débat de la part de Vesti dans le chat, messieurs, selon vous, la plus belle des carrosseries, Ford, Toyota ou Chevrolet? Bah, quoi qu'il en soit, on voit que Keegan Lee est un des seuls à avoir cette Toyota Camry sur le peloton. Il me semble, je ne sais pas si j'en ai vu d'autres, mais beaucoup ont orienté leur choix vers Chevrolet ou Ford. Moi, j'aime bien la Toyota parce que ça fait voiture très familiale finalement, une Toyota Camry. Donc j'aime bien la Toyota. Tout à fait, ouais. Après c'est vrai, bah après Keegan est effectivement pilote officiel 23-11, donc forcément il prendra une Toyota, quels que soient les événements. Après voilà. Effectivement, sur... Oui, c'est mieux, effectivement. Après ouais, moi je suis un peu plus Chevrolet, même si j'aime bien tous les bodies, le body Toyota est très beau sur la next-gen, et même celui Ford, hein. Par exemple la voiture de Frédéric Ladouceur, j'aime beaucoup comment elle a été décorée. Elle est décorée avec son vrai sponsor qu'il a en réalité, hein. Celle de Frédéric Ladouceur par exemple. Donc, et on voit un petit peu l'étalage des constructeurs là sur le bandeau déroulant, alors qu'on repart sous drapeau vert, messieurs. Alors qui s'en sort le mieux là? Paul Jouffroux, il est plutôt agressif, Paul là sur les relances avec la numéro 33 là, coloris noir et bleu qu'on a à l'image. Et attention à Frédéric Ladouceur, ça se harponne un petit peu de Tretton Lapsevitch qui est bien revenu aussi, hein. Les pilotes pro sont assez en forme et nouveau yellow. C'est pour ça qu'on a vu Tretton relâcher visiblement un petit peu aussi l'accélérateur de sa voiture. Petit mot sur Tretton, peut-être, pendant qu'on l'a eu à l'image, Jean, parce que ce n'est pas n'importe qui. Non, donc c'est un pilote qui court en NASCAR Pinty Series, donc la NASCAR canadienne. Il a 2 victoires cette saison en NASCAR réelle canadienne, enfin de cette saison 2022. Il a participé à la NASCAR D-Box Series, donc la NASCAR internationale officielle, où il a eu une victoire sur Oval, et il a gagné le championnat. Donc c'est un champion en titre, d'un véritable championnat officiel aussi iRacing. Il est très fort sur Sim Racing, il a déjà gagné des épreuves officielles, par exemple comme la course la plus connue de Super Late aux États-Unis, qui est le Snowball Derby. Il a gagné des splits officiels dessus. Il a déjà gagné en Pro Late Model, donc c'est une série aussi réelle, c'est une catégorie réelle plutôt, où il a déjà eu du succès. Donc c'est un pilote excellent déjà en réel, et il est excellent aussi sur Sim Racing. Donc il est à surveiller très franchement. Et Jouffroy aussi est très bon sur Sim Racing, je fais une petite parallèle, puisqu'il a déjà battu Tretton, mais sur circuit routier. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Mais pour revenir à Tretton, aussi son grand frère, Kaiden, a déjà été champion de Pinty's à l'âge seulement de 16 ans. Et maintenant, il est son grand frère, chef d'équipe de Tony Brenninger en Arca Menard Series, qu'une pilote féminine libanaise d'origine, je crois. Donc Kaiden est chef d'équipe, donc ils sont à fond dans la NASCAR, les deux frangins, et ils sont très très bons, ils réussissent beaucoup de choses. Voilà, pilote qui sait gagner donc avec cette numéro 20, et on va voir s'il est capable, après avoir pris la pole position, hein, pole position somme toute anecdotique sur ce, des courses ovales, il est maintenant revenu aux avant-postes et est en train de se battre avec tous ces messieurs, on l'a vu sur le précédent. Restart pour l'instant, alors surprenant ou pas, Lucas, d'avoir deux pilotes finalement hors nos pilotes pro qui maîtrisent les avant-postes. Ouais. Alors à noter que Seth Egart a abandonné. Hein. On l'a pas noté, mais il a abandonné, il est out maintenant. Mais sinon, oui, effectivement, à l'écran, vous voyez les quatre pilotes pro qui sont à partir de la deuxième ligne. Donc, oulala, et ça s'embouteille et c'est parti.
Oui, attention, parce que là, c'est le petit bum qui vient remettre la numéro 68 sur les bons rails, celle de Guillaume Hainaut. Il a perdu du coup une position au profit de Keegan Lee, qui peut eh bien prendre la roue de Bruno Ledouaré, toujours en tête de ce Frascar Clash 2023. Et ça s'écharpe comme par hasard, Jean, entre Lapsevic et Jouffreau. Tu en parlais à l'instant. Ils se connaissent, hein, ils sont déjà rencontrés sur la piste, sur Oval, sur Road, donc... Les deux pilotes qui se connaissent très bien sur le Sim Racing. Et Ulysse Delso qui est juste derrière Paul Jouffreau, qui vient de piler pour éviter de rentrer l'eau au contact. Donc les deux pilotes de la NASCAR Volaine Euro Series qui se suivent de près, ils sont juste là. Et Paul Jouffreau qui, voilà, qui perd un peu la voiture. Là on est sous une bonne phase sous drapeau vert, le peloton s'étire un peu. Est-ce qu'on n'aurait pas justement cette longue phase de drapeau vert à partir de maintenant, je l'espère. Et Keegan Lee qui vient de prendre la tête. C'est ça. Oh ben non, on va pas l'avoir longtemps parce que j'ai vu une voiture, messieurs, excusez-moi, là, qui est partie à la faute. C'est Maxime Hérault, je crois, la numéro 32, partie à la faute sur la réaccélération, vraisemblablement tout seul, à vérifier avec les replays évidemment, mais oui, drapeau jaune nouveau du coup, dixième drapeau jaune. Lucas, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, voilà, c'était, il y avait voilà Keegan qui venait de prendre la tête. On peut voir que bah, Keegan, au fur et à mesure, même si la course est hachée, il fait son petit bonhomme de chemin et là il arrive en tête. Est-ce que voilà, forcément, quand on parle forcément d'avance, dès qu'il y a un drapeau jaune, tout est réduit à néant. Mais à voir comment maintenant Keegan va gérer son premier restart en tant que pilote de tête. Oui, oui, oui. Bruno Ledouaré est parti un petit peu à la faute, a perdu des positions. Et on va revoir ce qui s'est passé justement pour Maxime Hérault et cette numéro 32, Jean, je crois, tout seul, hein, ouais, à la réaccélération. Seul, hein. Malheureusement. C'est dommage parce qu'on était sur une bonne séquence de drapeaux verts. Peut-être on allait assister. Oula, il y a la relance. Oula, là. Il faut être vigilant sur ce style de relance. Mais ouais, on va voir. Mais on pensait qu'on allait avoir du lapping sur beaucoup de pilotes. Pour l'instant, tout le monde est dans le tour, sauf peut-être une personne, je sais pas, non. Et donc, tout le monde a l'air dans le tour. Ouais. Tout le monde a l'air dans le tour. Et donc, s'il y a le drapeau vert, comment ça va se dérouler? Comment on va y avoir la gestion du trafic aussi? Parce qu'on n'a toujours pas assisté à de gestion de trafic de la part des retardataires ou d'un leader. Donc là aussi, ça pose question. Voir comment ça va se dérouler tout ça, et effectivement Keegan qui va faire sa première relance en tête, voir si tout sera bien maîtrisé. Ouais, puis c'est vrai qu'on peut voir aussi également l'expérience des professionnels aussi dans la manière de bumper, parce qu'on a pu voir les quatre premiers vraiment essayer de se bumper soit au restart soit au premier virage, mais on peut voir que c'est des bumps qui sont vraiment très propres, c'est-à-dire vraiment dans les phases de freinage, dans les phases d'accélération, mais ils vont très rarement venir toucher l'adversaire au milieu du virage, ce qui peut notamment entraîner des drapeaux jaunes. Donc c'est là aussi que c'est intéressant de voir le comportement qu'ils adoptent justement pour gagner une place à la régulière et sans forcément avoir de drapeau jaune en conséquence. Donc c'est aussi très intéressant de voir les pilotes de tête gérer leur course. Allez, nouvelle relance. 72 tours couverts déjà. Keegan Lee qui est donc aux commandes, et avec Guillaume Hainaut là sur l'extérieur, se fait surprendre un petit peu par Frédéric Ladouceur qui a pris l'intérieur. Bruno Ledouaré essaye de rester au contact, et on voit Trayten Lapsevic qui est revenu sur la bataille de tête, et on voit voilà ici hein, toute la difficulté. Il faut être précautionneux et nouveau jaune visiblement. Et Frédéric Ladouceur à l'envers. Ouais. Frédéric Ladouceur à l'envers. Hâte de voir le replay, voir ce qui s'est passé. Et attention, Guillaume Hainaut, non, c'est bon, ça touche. Ah, touchette ici sur la ressortie. Et oui. Guillaume Hainaut qui l'emmène. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça, ouais. C'est, en voulant plonger un petit peu trop tôt. C'est vrai que là, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Guillaume Hainaut qui a accroché voilà, le pare-choc arrière de la voiture de Frédéric Ladouceur. La manœuvre, on la connaît, elle est délicate pour lancer eh bien, cette numéro 51. Et on peut en profiter pour répondre à la question qui a été posée justement par Vesti, qui demande si est-ce que autant de drapeaux jaunes dans cette course, est-ce que ça la rend plus difficile à gérer en termes de température des pneumatiques
Alors moi, je ne joue pas, je ne connais pas, on va dire, le modèle, la physique des pneus sur e-racing. Donc voilà, est-ce que vous savez, Vincent, est-ce que vous avez plus de connaissances sur le modèle pneumatique sur e-racing? Est-ce que effectivement c'est difficile à gérer? Est-ce que les pneus remontent en température? Je vous pose la question. Alors il y a forcément les difficultés de température de pneus. Après, c'est vrai que je suis même pas sûr qu'ils aient réussi à faire vraiment monter les pneumatiques, bien que on braque peut-être beaucoup plus que sur un banking traditionnel là. Donc peut-être que les pneus avant travaillent un petit peu plus, alors qu'on voit Kigan passer par la voie des stands. Jean, ça peut être une indication aussi. Ouais, il change ses pneus. On a vu sa voiture se lever, peut-être qu'il change ses pneus, etc. pour une petite stratégie, pour être tranquille par la suite. Mais oui, à mon avis, il se fait pas de soucis. Il se dit, bon, je vais piter, je vais mettre bien au niveau des pneus, etc. Et comme ça, j'aurai du temps devant moi, je pourrai rester en piste longtemps, même s'il y a des drapeaux jaunes. Et puis voilà, Frédéric qui va réparer, j'imagine. Oui. J'espère qu'il aura pas trop de réparations, qu'il va pas perdre trop de tours. Kigan, normalement, va perdre des tours aussi. Et je pense qu'ils vont vite les récupérer, vu comment la physionomie. Après, concernant la question, effectivement, alors moi non plus, je connais pas la physique des pneus, mais je pense, à mon avis, ça doit jouer par rapport à un long drapeau vert quand même. Le comportement de la voiture ne doit pas évoluer de la même façon sur des relances comme ça, systématique, que s'il y avait par exemple un long drapeau vert derrière. Au niveau des freins, parce qu'on tape beaucoup beaucoup dans les freins sur ce type de circuit, au niveau des pneumatiques qui ont moins le temps de chauffer longtemps, du coup, donc à suivre. C'est reparti, ouais. Donc on va voir, ça va être intéressant de voir comment Kigan va gérer le trafic, comment Kigan va réussir ou non à remonter, à se faufiler dans les drapeaux jaunes, parce que forcément il aura un rythme plus élevé que les pilotes qui sont devant lui. Ça va être très intéressant, sachant que maintenant on a passé la mi-course, donc automatiquement il n'y aura plus aucun arrêt à faire pour Kigan, et ses concurrents directs qui sont en tête, eux auront à réaliser un arrêt. Tout à fait. Drayton, on voit qu'il vient de se défaire de Guillaume Hénault, et Paul Douffreau qui est derrière Guillaume Hénault, et juste derrière il y a Ulysse Delso également, un pilote professionnel. Là, il y a eu une bonne relance de Lapsevich, hein, sur ces quelques tours engagés. Il a pris la position à Guillaume Hénault et s'installe à la deuxième place. Attention, Bruno Ledouin est toujours devant. Là, il y a eu la petite erreur de Fred Lewitt qui est parti sur l'extérieur. Ça a permis à Maxime Hérault de passer. Eh bien, c'est Bruno Ledouin qui était sur le côté, justement, là, avec cette numéro 38. On va voir ce qui s'est passé pour Bruno. C'est dommage, il était aux avant-postes. À mon avis, il est parti tout seul. Il y a des chances. Il survirage en sortie. Ouais, oui. C'est... Après, sur là, vu le nombre de tours passés, peut-être que les pneumatiques commencent aussi à avoir un peu souffert. Peut-être qu'on va assister aussi à un passage par les stands, globalement, du peloton. Pour remettre tout ça à neuf. Mais effectivement, c'est dommage parce qu'il y avait de l'espace entre les voitures. On assistait à une belle stabilisation de la course, encore une fois. Et Drayton qui commençait justement, là, qui prend la tête de la course pour la première fois, qui s'est défait de ses adversaires et qui va pouvoir peut-être mener cette course tranquillement. Paul Jouffreau 3ème, on voit Ulysse Delso du coup qui va être 4, j'imagine. Oui, c'est ça. Godot 5, Paquiel est 6. Angulo, Emmanuel Angulo fait une bonne course aussi, hein. Il a pris 15 oui. positions, donc il est 7ème. Jimmy Bouvier, dont on ne parle pas, mais qui a quand même remporté des test races avant le championnat, donc un client sur le futur championnat, et lui 8ème, et Gianetto Giovanni. 9ème position, Eric Ramirez qui nous a montré quelques petites choses sur le début de course, hein, qui a été un acteur de ces fameux yellow, et pour l'instant 10ème. Ça fait Emmanuel qui était présent lors du premier Frascar Clash et qui a abandonné direct parce qu'il s'était fait déconnecter suite à un problème ou je sais plus quoi, et il avait été très frustré de ne pas avoir fait le premier Frascar Clash. Donc là, j'espère pour lui qu'il va passer un bon moment et qu'il va aller au bout. 7ème, c'est une belle position, j'espère qu'il va pouvoir la conserver et progresser dans ce peloton. Et puis on voit les Kegan Lee qui est 16ème dans le tour, pas de soucis. Frédéric Ladouceur est à 3 tours de retard derrière Mario Rocha.
Ouais, mais il y avait des dégâts sur la voiture de Frédéric, ce qui, tout à fait, à mon avis, lui vaut ses 3 tours de retard. On va voir qui gagne, évidemment, qui lui parvient à limiter un petit peu les dégâts. Il a fait son arrêt au stand, donc je pense que là, on va entamer de manière plus safe la remontée pour la numéro 18. Il va falloir que ça se passe bien, évidemment devant lui. La prochaine relance, Trayten Lapsevitch aux côtés de Guillaume Hénault pour cette nouvelle relance. Fin du 12e à drapeau jaune. Bonne relance du pilote. Oula, sur derrière Ulysse Elso, là, la numéro 19 avec William Godot. Et on va repartir en yellow, peut-être. Attention, je ne vois pas pour l'instant brandi ce fameux yellow. Ça s'est un petit peu empilé, messieurs, mais vraisemblablement pas de panique. Il revient de loin, quand même, Ulysse Delso. Ah ouais, là, le 13e neutralisation. Le voilà quand même. Alors, est-ce que c'est dû à ce qu'on a vu ou est-ce que c'est dû à quelque chose qui s'est passé derrière? À voir, parce que voilà, peut-être effectivement sur la relance au moment de l'effet accordéon, peut-être qu'il y a eu un suraccident. Ouais. À voir ce qui a pu se passer. Il y a un vrai embouteillage derrière, forcément. Comment voulez-vous que ça marche? C'est ça qui a déclenché la neutralisation. C'est ça qui a déclenché la neutralisation. Lionel Barbezi qui était en travers, du coup. Mais effectivement, Ulysse Delso qui a tapé le mur. Alors, est-ce qu'il aura du dégât ou pas? Est-ce qu'il va partir en réparation? Est-ce que à ce moment-là... Oui, c'est le petit embouteillage qui fait que Marbesi vient ici à l'intérieur. Il y a tellement de monde sur l'extérieur que finalement, bien, on revient piquer un petit peu à l'intérieur et on vient reponner Lionel Marbesi qui n'avait rien demandé, visiblement. C'est ça, peut-être un peu trop enthousiaste en voyant peut-être le nombre de places qu'il pouvait gagner en prenant l'intérieur. Malheureusement, effectivement, ça s'est resserré sur l'intérieur. Et là, on avait tout simplement plus de voitures côte à côte que d'espace sur la piste. Forcément, celui qui est à l'intérieur en paye les conséquences. On va être étonné. Paul Jouffreau qui vont relancer en tête. Ulysse Delso 5e. On voit donc Kylian Lee qui est remonté 11e. Mais effectivement, sur les relances, c'est assez tendu à chaque fois. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui perde le rythme juste parce que je patine ou autre. Et ça peut créer un embouteillage et donc un accident et un drapeau jaune. Il faut vraiment que les pilotes fassent attention sur la relance pour être bien vigilant, pas glisser, pour pouvoir trouver leur rythme et lancer un bonne séquence. Alors on a eu quelques-unes quand même des séquences d'une petite dizaine de tours à peine, et on a vu tout de suite certains pilotes plus adeptes prendre leur marque, c'est le cas des pilotes de devant. Finalement, c'est pas évident, et on a vu après des petites erreurs, sinon on perd la voiture un petit peu tout seul pour certains pilotes, ça rend tout de suite plus compliqué. Alors, en répondant à Smoke Bison dans le chat, merci Juju d'avoir anticipé. Effectivement, il n'y a pas de pénalité donnée en live. En revanche, j'imagine peut-être que par la suite, si un pilote peut-être est à l'origine de trop de drapeaux jaunes, peut-être qu'il y a une décision qui peut être prise avec peut-être un comportement qui pourrait être jugé inadéquat. Allez, relance après le 13e yellow. Bon début par Trayten Lapsevitch. On n'est pas surpris. Paul Jouffreau également dans ses échappements désormais. Guillaume Hénault toujours dans le coup de ses batailles pour le podium. Et on revoit pointer la numéro 46 aussi. Yolio Pakiele qui est bien là et qui est à la lutte avec Ulysse Delso qui a pris la mesure. Ulysse Delso, on l'a dit, revient de loin sur le précédent yellow. Et il est en passe de refaire la jonction avec tes homologues devant pour pourquoi pas aller gérer une petite bataille pour le podium. On arrive doucement au 30e tour et Godot derrière parti à la faute tout seul vraisemblablement aussi, et on voit Paul Jouffreau encore en glisse, Jean. Oui. C'est ça. Paul Jouffreau, on dirait qu'il a une voiture qui est assez difficile à maîtriser, je sais pas pour quelle raison. À chaque fois, ça fait plusieurs fois. Il joue beaucoup avec le volant et on voit des petits coups de râteau. Est-ce que c'est dû à ses pneus? Est-ce que c'est dû peut-être à un mauvais réglage? Peut-être. On voit William Godot qui part tout seul à la faute, malheureusement, et qui vient taper le mur intérieur. Vraisemblablement, on dirait vraiment qu'il n'est pas à l'aise vraiment avec son setup, parce que là, c'était vraiment sur une trajectoire qui était assez rectiligne, finalement.
Ce qu'on a pu voir en, jusqu'à là, c'était des personnes qui prenaient, des pilotes qui prenaient l'intérieur et qui réaccéléraient, donc avec beaucoup d'angle dans le volant et du coup un survirage classique. Mais là, on peut voir qu'il allait chercher vraiment l'extérieur et que à la fin de sa phase de réaccélération, vraiment, on voit que la voiture a pivoté sur elle-même. Donc, est-ce que derrière, effectivement, comme tu dis, c'est pas un souci de setup, quelque chose qui rend la voiture peut-être instable à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit ce mouvement de caisse. Tout à fait, à voir comment ça va évoluer, mais effectivement, bah après il est quand même en deuxième position, à voir s'il va réussir à tenir le rythme et s'il va trouver vraiment la mesure avec sa voiture. Guillaume Hinault qui a failli le toucher, j'avais haussé les épaules à un moment donné, je me suis dit oh là là, il a failli toucher pour le jeu pro, je crois. Mais voilà, après ça roule bien et on note Ulysse Delso qui a gagné une position face à du coup Yolo. Non, c'est. Je crois qu'il y a Yolo Paquele, non Paquele sur la 46, plus loin. Ou alors Jimmy Bouvier, mais. Bouvier est revenu hein, avec la 95, bien remonté, Jimmy. Et Ulysse qui a doublé, et donc Kian Lee qui est là, juste là. Hein. Et 7ème. Donc après, la physionomie fait que globalement, effectivement, les professionnels sont assez patients, ils sont assez prudents et arrivent à bien contrôler le field. Ils sont pas embarqués malheureusement par d'autres pilotes. Après là, on voit qu'il y a des pilotes qui perdent leur voiture malheureusement un peu tout seul sur virage ou sortie de virage un peu glissante. Oui, on peut voir Léhi qui est remonté à la 8ème place, donc il arrive quand même à remonter, à profiter des petites erreurs des drapeaux jaunes pour remonter vraiment en haut du classement. Allez, ça relance, Trayton qui relance à côté de Paul Jouffreau. Après, je pense également que sur ce circuit, la zone de restart doit être relativement courte et ça doit vraiment pas être évident à gérer pour les pilotes qui sont derrière le peloton. Forcément, on voit très vite devant que ça arrive à s'espacer. Des petits contacts comme on le voit maintenant. Mais c'est vrai que derrière, ça doit être assez difficile à gérer hein, tout de suite le restart et le virage qui arrive très très rapidement. On voit que ça se cherche. Ça contact se cherche, avec mais... Hinault et Jouffreau devant et Lee qui continue sa remontée. Ulysse Delso également là un petit peu piégé. C'est Guillaume Hinault a perdu pas mal de positions et on voit les différences là, les rapprochements sur les différents freinages. On commence à avoir saisi un petit peu le principe. Petit bump aussi là de la part de Maxime Hérault sur Guillaume Hinault et nouveau drapeau jaune après cette nouvelle relance qui pour l'instant sourit. Ces dernières relances à notre ami Trayton Lapsevich qui s'est emparé de la première place. On a vu que ça roulait bien là, ça roulait assez fort. On voit que Guillaume a tendance à taper dans les freins très fort et assez tard et il se rapproche très vite des voitures qui sont devant lui pour essayer de regagner du terrain. Donc à voir si ça va finir par payer cette petite tactique. Et on voit qu'il freine très tard, j'ai l'impression. Je sais pas si vous avez remarqué la même chose. Oui. Et ok, pour l'instant il n'a pas trop, voilà, il n'est pas trop touché. On voit que ça part au niveau de la 76 Vincent Biodel. Petit bout d'embouteillage derrière. Et là pareil, il va falloir faire le demi-tour pour repartir. Et nouvelle interruption, 15e interruption, messieurs. On a fait beaucoup de tours sous drapeau jaune. Je me demande, à mon avis, on a plus de tours sous drapeau jaune, bien sûr, que de tours sous drapeau vert. Oui, effectivement, la stat peut être intéressante. Donc, et on voit Lionel Marbesi, du coup, qui va reprendre un tour. Il y a toujours le principe du lucky dog. Hein. Tout à fait. Faudrait avec la douceur, toujours à 3 tours de retard. Ça va être intéressant. Et Jimmy Bouvier est en train de tirer son épingle du jeu, messieurs, puisque on ne l'avait pas vu encore et il est en train de grimper petit à petit les échelons là pour revenir aux avant-postes, accompagné par Keegan Lee. Il est en train de nous faire une course magistrale, hein, Keegan. Lui, voilà, il se sert de tous ses yellows. Il continue sa remontée après son arrêt au stand, eh bien aux alentours du tour 80, si je dis pas de bêtises. Donc il est plutôt bien. Bien en roue pour l'instant. Le pilote, c'est celui que vous apercevez avec la Toyota à la livrée violette sur l'image, juste devant Ulysse Delso sur cette numéro 19, le pilote NASCAR
Wimbledon Euro Series. Tout à fait. Et on voit que sur des virages, ça touche les portières. On arrive à faire du portière contre portière sans perdre la voiture. Donc ça, c'est une bonne chose. On voit que les pilotes arrivent bien à maîtriser aussi cet aspect-là. Après, effectivement, là, on assiste à beaucoup de pertes de contrôle de voitures. Est-ce que ce serait pas dû à une usure des pneus suite à quand même, il y a 110 tours d'effectuer. Donc à surveiller, et on va pouvoir assister à la relance de Triton une nouvelle fois. Ouais, et on voit avec la caméra on board, excuse-moi Lucas, mais avec la caméra on board de Ulysse, que ça illustre bien les propos que tu rapportais tout à l'heure, la difficulté en vue on board, quand même quelque chose. Ouais, c'est ça en fait. Forcément, là on peut voir à l'intérieur s'il se passe quelque chose, bah tout de suite on voit pas et c'est très difficile d'anticiper, surtout sur une piste qui finalement peut paraître assez large comme ça, mais dès qu'il y a une ou deux voitures en plus tout de suite, on se retrouve au maximum. Donc assez difficile d'anticiper. Et d'ailleurs le drapeau jaune, un nouveau drapeau jaune, le 16e, qui arrive. Donc on va voir ce qui s'est passé. On voit une voiture, quatre voitures. C'était Eric Ramirez qu'on a vu à l'intérieur du stade. Et on va voir ce qui s'est repassé. Oh, c'est Godot. Ah. Godot sur l'intérieur. Et encore freinage un peu tard, j'ai l'impression. Jean, tu le disais tout à l'heure. Oula, alors que là, c'était. Oui, ça a compliqué un petit peu les choses. On est carrément à l'arrêt. On croirait que c'est la fin de course. Oui, là, c'est. Mais c'est bizarre. On va faire les courses. On va faire les courses à Intermarché. Non, mais oui. On voit que ouais, ça c'est. Mais derrière, déjà, ça touche. On voit sur Frédéric De Witt aussi. Ça a freiné tard. Ça a pas. Je sais pas qui a. Moins bien anticipé, je ne saurais pas trop dire. On voit que Gianito Giovanni, en fait, il a touché Frédéric De Witt là ici. On va le voir, tac, il touche très bien, il l'emmène. Et devant, ça s'est emmené aussi, donc ça crée cet embouteillage total, malheureusement. Et puis j'imagine que tour après tour, bien évidemment, les dégâts s'ajoutent. Donc aussi, forcément, s'il y a des dégâts avec l'usure des pneus, bah, tout de suite, le comportement de la voiture. Il change, donc on peut justement, ça aussi il faut savoir aussi l'anticiper avec les dégâts. On a peut-être une zone de freinage qui est différente, on a peut-être une adhérence, un grip qui est différent en sortie de virage, bah tout simplement parce que bah les dégâts des différents drapeaux jaunes et bah fait que la voiture n'est plus aussi saine qu'au départ. Ouais, en tout cas une voiture qui est plutôt saine et qui marche bien, c'est la numéro 20 et pour l'instant qui emmène toujours son rival, hein, Paul Jouffreau derrière la numéro 33. Kylian Lee a gagné une position hein, sur la dernière relance et désormais 3e. Guillaume Hénault 4, on retrouvera Jimmy Bouvier 5, Bruno Ledouaré 6e position, Maxime Hérault 7, Yolo Pacchielé à la 8e place et Lucarey 9e. Ulysse Delso a perdu un petit peu de position messieurs et se trouve désormais à la 10e place. 120 tours couverts désormais sur ce fresh car clash. Ça fait. Et on voit que l'arrivée s'approche à grands pas, c'est très rapide, 150 tours sur ce type de circuit. Et on n'a pas de segment, on n'avait pas de segment sur cette session. On l'a pas paramétré effectivement, mais dans le réel, effectivement, il y a normalement, sauf erreur de ma part, il y a un segment à 75 tours. Et bon, là en l'occurrence, il serait passé un peu inaperçu, j'allais dire, au vu du nombre de drapeaux jaunes. Mais là. Elle aurait été noyée. C'est ça. Mais là, ce qu'on constate, c'est que, effectivement, là, il y a quand même Paul Jouffreau, Triton Abzevic et Kiyami qui se retrouvent en tête. À mon avis, plus on va se rapprocher de l'arrivée, ça reste des pilotes professionnels, certes, mais ça va commencer à attaquer aussi, il faut pas l'oublier. Ils vont pas, Kiyami va pas attendre, je pense, comme ça jusqu'à la fin. Non, il attaque tout de suite. Il y est déjà à l'attaque sur Paul Jouffreau et le nouveau Yellow, le 17e déjà. On va arriver sur cette relance. On va, de toute façon, les 18 vont être atteints. Hein. Je pense que ça va être fait. Là, on a vu la voiture numéro 10 vraisemblablement qui était sur le point de corde. Et oui, peut-être un Yellow. Ouais, on ne sait pas ce qu'il y a eu sur ce yellow-ci, mais en tout cas, ça nous a montré Kylian Lee un petit peu prêt à aller attaquer Paul Jouffreau. Tu l'en parlais, Jean, les attaques qui allaient se multiplier. Eh bien, du côté de Kylian, on n'a pas perdu de temps, et c'est vrai que ça va passer vite, parce qu'on est déjà à 125 tours sur les 150, plus que 25 boucles à faire sur ce mini-tracé.
du Coliseum, ça va arriver très vite, Lucas. Il faut maintenant commencer à réfléchir pour aller gagner. Oui, effectivement, attendre le drapeau blanc ici, c'est plus qu'anecdotique, sachant la fin, sachant la longueur du tour. Mais c'est vrai que là, tout de suite, on est sur un sprint final. On voit tout de suite que Keegan a pris la trajectoire la plus rapide, et du coup, il va forcément se montrer plus pressant au fur et à mesure des tours. Et là où on a pu voir justement peut-être des précipitations du côté des amateurs, je pense effectivement que maintenant les pros vont commencer à voir la victory lane arriver de plus en plus vite et vont peut-être être plus agressifs dans leur manière de piloter pour aller justement chercher cette première place. Et surtout qu'en plus, il ne faut pas oublier que s'il y a beaucoup de neutralisation, ça veut dire que peut-être, vraisemblablement, la course va se finir sous drapeau jaune. Donc il y a tout intérêt à être le plus rapidement possible à la première place pour les leaders. Pour que s'il y a une neutralisation sort et qui nous amène jusqu'à la fin, après il y aura des relances et des overtime éventuellement. Mais on a tout intérêt à être sur la première place. Treyton Lavzevich, là il est serein puisqu'au final, il y a des drapeaux jaunes qui sortent, les tours s'égrènent, il est devant sans être menacé. Donc il pourra être menacé que sur les relances, mais tant qu'il se fait pas dépasser et qu'il y a un drapeau jaune à chaque fois successivement, ça lui assure la victoire ni plus ni moins. Oui, c'est ça, une course de gestion. Ouais. Oui, finalement, parce que avec tous ces yellows, on n'aura pas eu énormément de gestion de course en piste à faire pour le moment. Ce serait bien qu'on ait les 23 derniers tours qui soient sous vert. Alors peut-être me traiter d'optimiste, je ne sais pas, mais on le souhaite tous, évidemment. Ouais. Et voilà, relance, Treyton Lavzevich s'en sort toujours très bien, c'est bien géré quand même de sa part, il faut le souligner. Et on va voir si Keegan Lee est capable d'aller. Attention, petit bump. Justement, il y va, ça s'écharpe un petit peu derrière. Il y a eu du grabuge aussi, je crois, avec plusieurs voitures, mais pas de yellow déclenché. Ça profite à Lavzevich qui peut s'en aller un tout petit peu entre la 18 et la 33. C'est chaud, messieurs. Lee va prendre l'avantage. Il a pris la ligne intérieure et ça replonge. Donc on voit bien. Petit embouteillage. Alors à savoir, est-ce que le jaune a été, est-ce que le drapeau jaune était là lorsque Jouffreau a pris. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire, et qu'il a commencé à doubler Keegan et qu'il a crédité sa place au moment du jaune, sa deuxième place. Est-ce qu'on va voir Keegan ou Paul à la relance deuxième? Et ça va être un facteur très important à regarder, puisque commencer sur la première ligne à l'extérieur et commencer sur la seconde ligne à l'intérieur, ça n'a pas le même impact. Et là, oui, on peut vraiment voir les esprits qui s'échauffent. Hein. Là, tout de suite, il n'y a plus de courtoisie. Hein. C'est vraiment à qui aura le bump à son avantage. Et tout de suite, on a vu le replonger derrière. Donc vraiment, on se laisse pas faire. Et ça peut en profiter à Treyton qui lui est en tête et à l'abri de cette bataille. En tout cas, on voit une très grosse maîtrise des pilotes professionnels qui arrivent à se bumper tout en gardant le contrôle de leur voiture. Oui, oui. C'est assez impressionnant. Ils arrivent à être tout à fait compétitifs malgré le chahutement, si j'ose dire. Et c'est assez impressionnant. Et on voit que tout de suite, ça veut reprendre le lead. Hein. On voit Keegan qui avait perdu un peu de vitesse, qui a voulu tout de suite réattaquer pour reprendre son petit retard. Là, effectivement, ça ne rigole plus du tout, ça veut absolument finir en tête. Donc là, sur les prochaines relances, et pareil, les tours vont s'égrener sous drapeau jaune, on va voir comment la finale de la course va tourner, mais ça va être intéressant. Alors du coup, qui va relancer deuxième? Keegan. Vraisemblablement, ce serait Keegan Lee, si on en suit la logique. Donc d'où l'intérêt de ce que tu disais tout à l'heure avec les drapeaux jaunes, de vraiment finaliser, de vraiment valider un dépassement dès qu'on peut, parce que là le dépassement n'était pas validé, mais le drapeau jaune a fait qu'il a été déclenché au moment où il était deuxième, parce qu'on a bien vu Jouffreau qui dans la même action avait plongé à l'intérieur, qui probablement aurait eu en sortie de virage la seconde place, mais on peut voir que tout de suite le drapeau jaune a avorté le dépassement et que Keegan Lee a pu faire ça. Mais attention, Keegan Lee au restart sera à l'extérieur. Est-ce que Jouffreau sera capable d'avoir assez de vitesse pour plonger à l'intérieur? Ouais, surtout ce qu'il va faire.
on a vu Jouffreau, Jean, un petit peu voilà, agressif aussi sur ses dépassements et sur ses phases de bump. Attention, ici, à, sa, à cette nouvelle relance, il va être capable peut-être de surprendre un Kylian Lee. On va voir, justement, et la belle envolée de la numéro 33, on vient tasser un petit peu Kylian Lee sur l'extérieur pour valider le dépassement. C'est bien relancé. Et Kylian qui réattaque, attention, attention au rabattage de Paul, mais non, ça, ça, ça joue très bien. Et le drapeau jaune. Il va réattaquer à 19ème drapeau jaune, dommage. Alors, on y croit à chaque fois, hein. C'est ça, frustrant. C'est peut-être même plus frustrant pour nous et les viewers que pour les pilotes eux-mêmes, des fois, je sais pas, mais non, en tout cas, c'est vrai que là, il y avait une belle amorce de Kylian Lee à nouveau pour essayer de reprendre la deuxième position, mais voilà, oui. Faut savoir, voilà, en deux tours quand même, Jouffroy a réussi à changer un petit peu la donne. Et puis là, on peut voir qu'ils ont inversé les positions, parce que, étonnamment ou non, on peut voir que Jouffroy, quand il a eu le lead sur Kylian, il a tout de même choisi la ligne extérieure, c'est-à-dire emmener un petit peu plus de vitesse en sortie de virage. Et est-ce que c'est la bonne stratégie ou non? On va voir l'inverse au prochain restart, mais on peut voir que la ligne intérieure n'a pas été favorisée par, par Jouffreau. Est-ce que c'est peut-être son aisance sur, sur les lignes plus extérieures? À voir dans les prochains tours comment ça va se passer. Et le grand gagnant dans tout ça, ça reste Treten Labzevic, hein, puisqu'il relance tranquille, j'allais dire le coude à la portière presque, il a juste à attendre le drapeau jaune, il n'arrive pas à se faire recoller puisqu'en fait bah, Paul Jouffreau et Kylian en viennent aux, aux armes tout de suite, vu que Treten met une bonne relance à chaque fois, il faut que les deux pilotes en fait de derrière finissent par trouver leur position pour pouvoir attaquer Treten par la suite, donc jusqu'à maintenant il est tranquille, 11 tours encore, donc 10 tours encore à boucler. Est-ce qu'il va... Voilà, c'est le, vraiment le bon plan pour Treten. Tactiquement, il est relativement tranquille. Tant qu'il ne se fait pas passer sur une relance, globalement, bah, il peut être serein pour la victoire finale. Oui, on peut voir qu'à la relance d'avant, on a pu voir qu'il était tout seul en tête. Alors, est-ce qu'il y a eu un mauvais placement pendant le restart? C'est aussi peut-être ça qui a facilité, parce qu'on a pu voir que tout de suite, Jouffreau et Kylian étaient tout de suite side by side, côte à côte, et que finalement, personne n'était là pour perturber Treten. Forcément ça lui va, donc à voir le prochain restart comment il sera géré, mais c'est vrai que là pour avoir la tête il faudra absolument faire attention à la restart zone pour être sûr d'être côte à côte et de pouvoir perturber le pilote de tête Treten. Et peut-être voilà, nouvelle relance, il va rester moins de 10 tours sur cette relance messieurs, est-ce qu'on va la subir jusqu'au bout cette relance? Treten Labzevic sous drapeau vert qui a l'avantage de l'intérieur, Bruno Ledouaré qui colle très bien Paul Jouffreau sur cette nouvelle relance, Kylian Lee à l'intérieur a le bénéfice pour l'instant de la trajectoire, on voit que ça glisse toujours un petit peu pour Paul Jouffreau sur ses relances, Lee prend la deuxième position imité peut-être par Bruno Ledouaré qui vient perturber un petit peu Paul Jouffreau et nouveau yellow évidemment. Yellow, vert, on ne sait pas. Non, vert, 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 vert. Non, vert, oh, là, là. Non, là, il va y avoir yellow parce que ça a vraiment le tapé Douaré. Là assez fort entre le Douaré et Paul Jouffreau, messieurs. Ah, j'ai pas vu la... j'ai pas bien vu l'action. Donc là, on a automatiquement le Douaré qui sera hors, hors course pour, ah oui. Pour, là, ce, pour ce. Pour cette victoire, tout simplement. Est-ce que derrière il y a eu des dégâts aussi pour Paul Jouffreau? Ah, Jouffreau qui vient bah, l'emmener Paul, ouais. Paul suite à sa perte. Ouais. Ouais. Mais on voit qu'il était en on a vu qu'il était en délicatesse hein, sur sa ligne extérieure. Bizarrement, c'est la ligne qu'il a choisie, mais on pouvait voir forcément beaucoup beaucoup de fois des mouvements de caisse de survirage à la sortie. Notamment ce qui a fait qu'il s'est fait doubler par Kylian Lee à l'intérieur, dans la trajectoire intérieure. On l'a pu voir en délicatesse forcément avec, avec cette fin de course, cette pression de fin de course. On peut avoir ces petites erreurs là, mais c'est vrai que là ça va être très difficile pour lui. Et malheureusement on a ce... alors je ne sais plus, c'est Paul Jouffreau hein, du coup qui a payé les conséquences de ce petit... de ce petit survirage de cet incident en tout cas.
Et du coup, eh bien, la bataille de tout devant. Peut-être une dernière explication sur les tout derniers tours. Alors, ça va être limite avec le safety. Je crois qu'iRacing prolonge, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas si c'est le cas aussi sur cette course-là, mais je crois qu'en NASCAR ou en IndyCar, iRacing prolonge. Hein, on peut pas finir sous. Alors, sous yellow, là, non, je vais pas dire bêtises. Là, je pense dans tous les cas qu'il restera un tour. Je pense qu'ils vont relancer. Je pense que ça va relancer au prochain. Après, est-ce qu'on aura de l'overtime, extra time? Je ne sais pas. On verra quand le drapeau blanc sera agité. Mais là, c'est l'unique et seule occasion pour Keegan Lee de prendre le lead. Est-ce qu'il arrivera à prendre le lead finalement dans le dernier tour? Ça, c'est vu. Ça, c'est déjà vu. Est-ce que ça va être le cas? Et Luis Del Sol qui est derrière, pas oublié, il est revenu, il est là, il sera à l'intérieur vraisemblablement, en troisième position. Il va peut-être attaquer, peut-être mettre en difficulté, peut-être qu'il gagne sur la relance. Donc, et puis effectivement, à voir si on va aller sur overtime ou si en fait ils vont aller jusqu'au drapeau blanc sous vert, et puis même s'il y a un drapeau jaune, ça finira la course. Donc à surveiller, peut-être qu'on va assister directement à la victoire de Trayton Lapzevich. Et c'est parti. Allez, trois tours, c'est parti. Drapeau vert, le bon envol de Trayton Lapzevich. Paul Giuffroy est revenu aux avant-postes pour batailler. Ulysse Delso est également dans le coup. On n'oubliera pas Maxime Hérault juste derrière, également avec la numéro 32. Drapeau blanc. Final lap. Et attention, vite, qui s'est fait un petit peu. Retourner Keegan Lee qui va retomber en bas du classement si le drapeau blanc est confirmé. Il n'y a pas eu drapeau jaune, c'est bon, le drapeau blanc est confirmé, mais à combien de places il va être crédité? Quel dommage! Ah là, il va retomber en bas du classement. Ça s'est pas bien terminé là sur la fin de course. Et selon les infos live timing, effectivement, il finirait 12e Keegan Lee. Et ce serait de toute façon victoire de Trayton Lapzevich devant Ulysse Delso et Paul Giuffroy pour le podium. Jimmy Bouvier 4e, Guillaume Hainaut à la 5e position, Lucas Rey 6e, Yolo Pacchielli 7e, Frédéric De Witt 8e, Gianetto Giovanni 9e, Vincent Biodel 10e, William Godot 11, Keegan Lee 12e, on l'a dit, Bruno Ledouaret 13, Maxime Hérault 14, 15e position pour Eric Ramirez, Mario Rocha à la 16e position, Emmanuel Angulo 17e, Damien Acerenza 18e, Lionel Marbesi 19e, 20e position pour Frédéric Ladouceur. Et puis à noter les deux abandons de Arnaud Patinec et Seth Eggert sur cette course. Et bravo Trayton, et qui, comme je le disais, en fait, profite en fait de la relance systématiquement. Et on voit Paul Giuffroy qui fait des donuts aussi pas loin derrière. Oui, et finalement accroche la troisième place. Bon, on sait que dans le NASCAR on ne célèbre que le vainqueur. Mais finalement ça reste quand même une remontée, parce qu'il a quand même connu pas mal de déboires. Mais c'est vrai que le grand perdant, ça va être Keegan Lee qui malheureusement a drapeau blanc, drapeau jaune, il était là au mauvais moment. Est-ce qu'il aurait pu faire une attaque? En tout cas, ça a très bien été couvert par Trayton Lapzevich. C'était, je pense que on a un vainqueur méritant, parce que finalement, peu importe le nombre de relances, il a su les gérer, il a su bien défendre l'intérieur à chaque fois, et ça lui a permis vraiment d'aller sur la victory lane. Donc bravo à lui. Oui, ouais. Et surtout que ce n'était pas gagné non plus pour Trayton, qui avait certes fait la pole position. Et on le rappelle, au bout de deux tours, il est dernier quasiment. Trayton, il passe par la voie des stands. Du coup, il y a une jolie remontée. Il s'est installé devant et ça a bien fonctionné. Jean, en tout cas, alors on n'est pas surpris. On aurait eu un clash, en haché, mais c'est aussi le principe de cette course un petit peu particulière quand même. Et j'ai l'information comme quoi Paul, en fait, il avait une suspension HS. Ah oui, enfin, ça n'est pas du tout. Donc, beaucoup plus compliqué, effectivement. C'est encore plus méritant sa place, parce que bravo, quoi. Troisième, malgré tout ça, malgré les difficultés, malgré cette succession de relances où c'est très difficile à gérer. Trayton a bien géré aussi derrière, puisque il s'installe en tête. Chaque relance, ça a lui profité à lui, puisque tant que
globalement on le voyait très bien, il fallait plusieurs tours de toute façon au second pour essayer de recoller et avoir une tentative de passer, surtout sur des pilotes de ce niveau là, Keegan Lee, Paul Jouffroy, etc. Ça, surtout qu'il fallait, en plus vous avez le deuxième et le troisième qui se bataillent, il faut sortir de cette bataille pour attaquer le leader. Donc, clairement on était dans une physionomie de course qui allait totalement à l'avantage de Triton sur ça, et Keegan qui se fait emmener malheureusement sur la fin, qui peut-être là, en plus il se dit que Jaune va valider et va valider ma seconde place, voilà, et donc il force peut-être sur son accélération parce qu'on voit qu'il part en tête à queue, mais le drapeau jaune est sorti beaucoup plus tard. En réel je pense qu'il aurait été crédité deuxième quand même. Mais après, ouais, là on revoit le ralenti intéressant, on peut voir que la 40 repart et on peut voir les leaders arriver. On voit bien que a priori Trayten aurait gardé le lead, il y avait un dernier virage à effectuer, mais on peut voir que Trayten, voilà, comme tu dis, à chaque restart il a su vraiment imposer son rythme, garder l'intérieur, et ça a été ce qui l'a mené à cette victoire, c'est d'avoir toujours été régulier, il a pas fait d'erreur et il a su défendre sa belle première place. Oui, jolie défense, et ça s'est plutôt bien joué. On avait pas l'habitude forcément de voir ce qui peut se passer sur une piste et sur une course de cette sorte là. Jean, si tu dois déjà faire un petit comparatif avec la version 2022 du précédent Clash, si tu pourrais en quelques mots. Beaucoup de jaune, hein. Beaucoup de jaune sur les deux, parce que c'est deux short tracks atypiques. Donc, des courses qui ont été malheureusement hachées à chaque fois, mais qui ont été ponctuées de très belles batailles, parce qu'on a eu quand même une belle bataille en tête. Et on voit que Trayton est disponible en interview, donc voilà, va falloir s'échauffer et parler anglais, donc c'est parti. Après, est-ce que son anglais scolaire, comme il me l'avait dit, est toujours, son français scolaire, pardon, est toujours là? On va voir tout de suite, ça va être un plaisir de pouvoir lui parler. Oui, on aura peut-être aussi Ulysse Delso ou un autre des pilotes pro ensuite en interview. On verra s'ils ont le cœur à venir et bien nous parler. Lucas, toi qui as vécu, voilà, premier clash aussi, ton ressenti d'une manière globale. Est-ce que tu t'attendais, voilà, peut-être à une course moins hachée, ou toi qui es fan de NASCAR, tu prévoyais un petit peu ce genre-là? Oui, forcément, forcément, c'est une course très intéressante. Finalement, j'ai envie de dire assez fidèle, même si effectivement, je vois que dans le chat, on demande est-ce qu'il y a autant de bumps, autant de drapeaux jaunes. 18 drapeaux jaunes dans une course de NASCAR, ça reste quand même très, très, très rare. Mais ça reste des courses quand même vraiment avec une haute intensité. Ça reste fidèle à la NASCAR, c'est-à-dire que ça se joue dans les derniers tours. On peut voir que là, ça s'est joué à peut-être un drapeau blanc qui s'est juste agité avant un drapeau jaune. Voilà, c'est fidèle. Ça annonce vraiment beaucoup de belles choses à voir et beaucoup d'intensité pour la suite du championnat. Effectivement, on va retomber sur des circuits que les pilotes auront l'habitude de rouler, auront plus de repères, donc ça va être très intéressant à suivre. Est-ce que peut-être déjà des rivalités sont nées durant ce clash? Ça va être très important de suivre les batailles, mais une très très belle course, très hachée, mais ça en dit long sur la suite de la saison qui va être très très intéressant. Alors ça se bouscule un peu pour les interviews, puisque Ulysse va venir, oui, Paul Jouffroy aussi, et il y a Trayton, donc évidemment. On va commencer Ouais, on va commencer par Trayton et on va l'accueillir dans la cabine dans quelques instants, alors que vous avez le récapitulatif de ce Frascar Clash 2023, donc avec la victoire de Trayton Lapcevich devant Ulysse Delso et Paul Jouffroy. On aura ce trio en interview également, devant le premier pilote. Allez, est-ce que c'est pas vraiment une surprise non plus de retrouver Jimmy Bouvier à la quatrième position? Messieurs, il est dans le coup de toute façon. Jimmy, on en reparlera après, puisqu'on va accueillir Trayton. Hello Trayton, welcome to Racestart TV. Congratulations for your race. You are the winner of Frascar Clash 2023. Thanks, guys. Thanks for having me. That was quite the race. Yes, I'm going to let Jean ask a few questions for you. Yeah, could you talk to us about your race? How do you feel about
about this particular race, very a lot of yellow flag. I said you stay in the first place. It was the best place to be with the kind of this race. How do you feel about that? Yeah, I mean it was an interesting race. I wasn't prepared for the open setup in the practice, so I had to build something up quick there. But no, in the race I got the penalty like on the first restart, so ended up going all the way to the back. But the cautions kind of played in my favor restarting, and I was able to work my way back up there. Ok, en fait voilà, c'est ça. Il n'était pas trop préparé à l'open setup et effectivement. Tu as été pénalisé, c'est pour ça que tu es retourné en arrière à un moment donné et tu as pu revenir, dès en tête par la suite. Est-ce que tu m'avais dit que tu parlais un petit peu français, est-ce que tu as quelques mots de français ou est-ce que tu nous comprends quand on parle Titan? Do you understand the French words when we talk or not at all? Not enough. I understand a couple of the words, but it's not enough. Okay. I can't. Yeah. Okay. So, big congratulations to your win today. It was a very great pleasure to have you on this race today, and we expected to have a big battle between you, between Keegan, between Paul that you have already met in race, for example, in D-Box International Series. So it was an interesting race, and I hope. It was a cool race for you, and hope you to see you later on Fosca event and maybe an interview. And thank you again. Merci, guys. Thanks for having me. It was a lot of fun, and definitely enjoyed it. So hopefully I can come back again. But great event, and enjoyed it a lot. Thanks you very much, Trayton. Thank you very much, Trayton. Thanks, guys. Thank you. Voilà, les mots en anglais et un petit peu de français quand même, Jean, on aura réussi à avoir un merci sur le français, du côté de Trayton Lapsevich. En tout cas, merci à lui d'être venu nous partager ses infos et son retour, surtout sur ce Frascar Clash. Ça sera plus facile avec Ulysse et avec Paul qui eux sont francophones sans problème, donc on pourra poser plus de questions avec plus de détails. Peut-être aussi pour eux. En tout cas, c'est vrai que voilà, c'est toujours sympa d'avoir aussi nos pilotes anglophones qui viennent et bien témoigner. On essaye de vous faire partager ça aussi. C'est pas toujours évident, mais on espère que vous aurez apprécié avoir quand même quelques mots du vainqueur. Et bien dès que c'est prêt en régie, on peut accueillir Paul Jouffreau dès que c'est prêt. N'hésitez pas, messieurs. Qu'est-ce que tu penses toi, Lucas, des quelques mots de Trayton là rapidement? En fait, je pense que c'est, mis à part, comme il l'a dit, la pénalité qui arrive en début de course, je pense qu'il a su gérer, et je pense qu'il a très vite su qu'en restant en tête et qu'en ne faisant pas d'erreur, il allait tout de suite garder cet avantage, parce qu'il a très vite vu que derrière, entre la 2e et la 3e place, ça jouait au rétro, on faisait limite plus attention au bump plutôt qu'à aller chercher à l'avant. Et pour la personne, pour le pilote qui est en tête comme Trayton, tout de suite c'est gagnant quoi. Quand on voit que derrière ça se bat, automatiquement on sait que sur chaque relance on va prendre des petits dixièmes d'avance qui vont nous mettre à l'abri, et finalement c'est ce qui s'est passé. Et à la fin, peut-être le petit coup de pouce du destin avec ce drapeau jaune qui arrive sous drapeau blanc finalement, qui fait que il est à l'abri sur un dernier virage, parce qu'on sait que sur ce type de circuit, les derniers virages sont en général là où ça se passe. Allez, on accueille Paul Jouffreau justement. Bonsoir Paul. Salut. Salut Paul. Alors, ça va? Ça va. un petit peu fatigué quand même de cette course qui n'était pas simple. Beaucoup d'yellow. On s'y attend un petit peu quand on vient rouler sur le Coliseum. Comment t'as géré toi cette course? Franchement, j'ai roulé à peu près comme ça venait et tout. Et ce qui était sûr, c'est que j'avais pas le rythme des mecs de devant. Donc, je sais pas comment j'arrive à faire 3e et à rester devant aussi longtemps. Et les yellows m'ont vachement aidé. Et surtout que
Ouais, j'ai roulé presque toute la course. Ouais, j'ai tapé tour 40, je crois, au mur et ça m'a. Je roulais avec le volant décalé et la voiture se déstabilisait à chaque freinage et tout. Donc c'était très très chaud de rouler, mais c'est passé. Et franchement, c'était cool et tout. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de yellow. On s'envoyait des messages avec Trayton, on rigolait, on disait qu'on faisait une parade en ville. Mais ça m'étonne même pas, ça m'étonne même pas parce que c'était chaud. Hein. C'était chaud, mais ça devait être marrant parce que. Mais à la fin, on voyait quand même qu'il y avait une bataille, il y avait un truc parce qu'on se disait, bon, il reste plus beaucoup de tours, à un moment donné, ils vont finir par s'attaquer, ça va être violent. Mais le problème, c'est que j'avais pas du tout le rythme de Trayton et voilà, et après, avec Keegan aussi, oui. on a eu quelques petites touchettes en piste et c'est devenu un peu plus agressif avec le temps et tout, mais non, c'était cool. Bah, ravi que ça t'ait plu, et en tout cas, effectivement, grand bravo parce que t'as une suspension cassée comme ça tout le long. Surtout au Cali, je me prends 4 dixièmes, je crois, donc j'ai pas du tout le rythme des gens dedans. Et au final, on voyait que tu mettais des coups de râteau pour essayer de récupérer ta voiture. On se disait, est-ce que c'est un problème de pneus, de réglage, ou peut-être qu'il y a un endommagement. Et au final, t'as super bien géré malgré les attaques, malgré tout ça. T'es pas parti tout seul, t'as super bien maîtrisé ta voiture, donc franchement. Ouais, c'était chaud. Il y a 2-3 fois où je failli me mettre dans le mur et en fait la voiture soit elle tournait trop, soit elle tournait pas. Donc ça faisait que j'arrivais avec du sous-virage et quand je voyais que la voiture pivote à la corde, en fait elle partait en tête à queue. Donc c'était très très chaud d'aller vite. Et c'est pour ça que de suite, dès qu'il y avait un peu de green, ça s'échappait devant moi. Mais ouais. Non, c'était une bonne expérience et tout. C'était cool. Merci de m'avoir invité. Bon. Et franchement, c'était cool. Bah avec grand plaisir, ravi que ça t'ait plu et au moins t'as pu re-affronter Triton, Keegan, ouais. Etc. Donc ça... Ouais, c'était cool. Ouais, non, franchement, c'était cool. En plus, on s'entend super bien avec Triton, du coup. Et ça, aussi, bravo à Ulysse, parce que Ulysse aussi, il a fait une course hyper intelligente. Il a été très peu agressif, il attaquait jamais quand ça passait pas. et il finit deuxième. Donc on voit bien que ça marche. Exactement. Il y a une question qui revient assez souvent dans le chat là pendant que vous rouliez. Les pneumatiques, tenir en température, c'était plus facile ou est-ce qu'il n'y arrivait jamais à cette fameuse température? Comment c'était à gérer ces pneumatiques? Ben, je vais pas vous cacher que du coup j'en sais rien parce que comme j'ai roulé la course avec une voiture cassée, c'est vrai. Ben, en fait je savais pas si c'était les pneus qui étaient froids ou. Ou voilà, mais après c'est vrai que même si je pense que si j'avais vu une voiture, normale, on va dire, avec pas de pète, le plus long run qu'on a fait c'est 3 tours, donc c'est vrai que les pneus peuvent pas chauffer, peuvent pas vraiment chauffer, mais après sinon ça passait bien, on passait pas beaucoup plus lentement qu'en qualif, ça c'est sûr. Une question peut-être Lucas pour Paul avant qu'on le libère. Ouais, bah déjà bravo pour ta course. On voit que ça n'a pas été facile. J'ai une question pour toi. Quand on est justement dans une course où il y a beaucoup de drapeaux jaunes, beaucoup d'événements, et que toi-même tu savais que tu n'avais pas le rythme des pilotes qui étaient devant, est-ce que avec une course autant hachée, est-ce qu'au restart tu te disais plus? Je suis incisif et j'essaye de gagner des places parce que chaque place gagnée avec le drapeau jaune, finalement, ça va être très dur à ce qu'on récupère cette place-là. Ou est-ce que justement, tu te disais plus, je vais peut-être attendre qu'il se passe des choses devant pour récupérer ces places. Notamment, on voit dans le dernier tour avec Keegan ce qui a pu se passer. Dans quel état d'esprit tu étais? Plus attendre ou est-ce que tu t'es dit, il faut que je sois incisif vraiment à chaque restart? Moi c'était complètement incisif à fond dès le début parce que je savais que je pouvais faire quelque chose qu'au premier virage et au deuxième virage il s'échappait déjà. Les seuls trucs que j'ai pu faire aussi c'est quand je défendais, qu'on se bataillait, j'ai réussi à re-attaquer le mec qui m'avait doublé le virage d'avant. Donc ça aussi j'ai réussi à croiser et à re-attaquer à l'inter. Mais c'est vrai que moi c'était une aubaine qu'il y ait autant de drapeaux jaunes, qu'il y ait autant de yellow. Parce que ça me permettait de rester aux avant-postes. Et après, c'est vrai que j'ai réussi pas mal de mes restarts parce que je suis parti 15e au début. Et en fait, à chaque fois, je ratais 2-3 places au départ avec les crashs et tout. J'essayais de les éviter. Et quand j'étais devant, c'était essayer de partir comme Trayton. Il y a plusieurs fois où j'ai essayé de le doubler, mais impossible. Et après, c'est vrai que le 3e était de suite dans mon... ma hauteur, soit derrière, de suite dans les échappements. Du coup, il n'y a jamais eu une course où en fait je regardais devant.
Ouais, d'accord. À aucun moment j'ai regardé devant et c'était à fond, dès que c'était le restart, essayer de gratter tout ce que je pouvais. Et après, voilà, essayer de défendre, pas fermer les portes pour pas partir en tête à queue, parce que ça aussi c'est un piège, à vouloir fermer, on part souvent en tête à queue. Et bah donc, bravo, ouais, bravo à toi. Bah, merci. Faire ça avec une suspension cassée. Ouais, surtout qu'en plus, les circuits. Enfin, je fais jamais de course ovale, franchement. Nous, comme je fais le championnat d'Europe de NASCAR, nous, c'est que les circuits routiers. Et j'ai aucune expérience en ovale. Donc, non, c'était cool. Et ça fait. Ouais, c'est toujours sympa, une petite course ovale et tout, ça s'arrête jamais. C'est bien. Ça, moi, j'aime bien. Un petit mot rapide là, ça recommence quand pour toi le championnat réel, Paul? Ça commence le 6 et 7 mai à Valencia en Espagne. Ouais. Et donc voilà, je sais pas si vous connaissez bien l'Euro NASCAR et tout, mais il y a deux championnats, il y a l'Euro NASCAR Pro et l'Euro NASCAR 2. Mmh. Et moi là, je vais participer à l'Euro NASCAR 2, c'est sûr, et on verra ce qu'on peut faire d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que là, je vais jouer. On va jouer le championnat en Euro NASCAR 2. D'accord, à Valence, c'est sur Ricardo Turmo ? C'est ça, exact. D'accord. Après, on va à Brandach, on va à Zolder, ça, on fait de belles pistes. Oui, oui, ça fait des belles pistes. C'est vrai qu'il n'y a rien à voir avec l'ovale qu'on a. Ah, pas du tout, ouais. Ah oui, là, rien à voir. L'Euro Series n'a rien à voir en termes de pistes. Non, non. C'est complètement mais j'avais différent. J'avais pu rencontrer Paul justement à Zolder, qui est un super circuit. Il fait peur, ce circuit, hein. Hein, c'est un circuit qui fait peur à l'ancienne. Ouais. En fait, ce qui est. Et tu t'es fait peur aussi, hein. Tu t'es fait peur aussi. Oui. Quand on voit ton crash en live. Ouh. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai, j'ai eu ce gros crash. Mais à Zolder, il fait peur parce qu'à chaque sortie de virage, il y a le mur qui se rapproche. Donc, et c'est l'herbe entre la piste et le mur. Donc, c'est un circuit à l'ancienne qui fait assez peur. Ouais, mais sinon, c'est une superbe piste. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Paul d'être venu nous voir. Et puis on te souhaite le meilleur pour ton championnat cette saison, en tout cas, puisque si vous jouez le titre, on croise les doigts pour vous. Et puis à bientôt. Merci. Bah, merci beaucoup, c'était super. Merci. Bonne soirée à toi, Paul. À bientôt. Ciao. D'avoir répondu présent. Passe une soirée. Merci. Allez, on va avoir Ulysse Delceau d'ici quelques instants aussi en interview, là aussi pilote de la Willen Euro Series, Jean, donc ils se retrouveront évidemment du côté de Valence très probablement, mais en attendant on va recueillir un petit peu ses ressentis concernant cette deuxième position à notre ami Ulysse Delceau, qui contrairement aux autres n'était pas trop aux avant-postes et finalement sur la fin s'en est plutôt bien sorti. Exactement. Et on aura Keegan Lee. Tout à fait, je lui ai demandé de venir, du coup il va passer. il pourra, continuer de parfaire son français, parce que je sais qu'il... Oui, pratique un peu. Voilà, oui, par contre, il pratique le français, donc on le fera utiliser le français. Bonsoir, Ulysse. Bonsoir. Comment ça va, Ulysse ? Eh ben, écoutez, tout va bien. Donc, c'était une course très très chaude. En plus, c'était la première fois que je roulais sur l'ovale de Los Angeles Memorial Coliseum, si je me trompe pas, ça doit être ça. Donc, c'était une course que j'avais fait sixième. J'ai dû faire sixième aux qualifications et puis P2, c'était un résultat inattendu, mais je suis allé la chercher. Bravo, parce que t'étais tranquille dans le peloton, on a constaté tout le long, t'as été très patient, même Paul Jouffreau l'avait remarqué, nous l'a fait notifier, t'as été très patient tout le long et finalement ça a payé, et tous les drapeaux jaunes t'as réussi à remonter et maintenir sur cette seconde place, et au final un beau résultat. Comment t'as ressenti toute cette longue course, tous ces drapeaux jaunes, dis-nous. Alors, tout début, j'étais dans le top 5, je me rapprochais du top 3, et puis après je me suis fait taper deux fois au virage 2. Après j'ai redescendu jusqu'au top 10, mais après j'ai pu profiter de certains drapeaux jaunes. Après, à 20 tours je crois de l'arrivée, j'ai été lors d'un safety car, il y a eu du grabuge, des personnes se sont arrêtées, ça m'a fait perdre des positions et... Donc après ça m'a un peu énervé sur le moment, mais après je me suis dit allez, faut rester calme, et puis voilà, de toute façon la course n'est pas encore terminée, et puis voilà.
Bah, au final, ça a payé puisque belle deuxième place sur cette épreuve et tu finis juste derrière Trayton du coup. Et suite à dernière neutralisation qui a été fait sous drapeau blanc, au final le drapeau jaune qui est sorti très tard et qui a permis de te créditer sur cette deuxième place. Donc félicitations encore. Et puis avec cette voiture, effectivement. Oui, tu voulais dire. Hein déjà félicitations à Trayton. C'est ça, si je prononce bien. Oui, c'est ça. Oui. C'est Trayton. Ouais. En plus, il a été champion iRacing International Series, là où il y avait les pilotes canadiens, mexicains, européens. Donc, c'est super d'avoir des pilotes comme Jouffreau déjà. En plus, d'ailleurs, félicitations à Paul Jouffreau pour sa troisième place. Je crois qu'il termine troisième. C'est ça. Tout à fait. Ok. Ouais, bon, félicitations à lui. Et donc, il y a aussi d'autres pilotes de d'autres séries, j'ai pas retenu lesquels, mais il y en avait 5 autres, je crois, si. Non, 3 autres, mais j'ai pas retenu les noms. Mais voilà, c'est bien de regrouper pilotes professionnels et sim racers. Ça permet de rouler, de prendre du plaisir et de partager. Le plaisir et même de jouer un championnat entre ces personnes-là. Donc c'est vraiment un monde où on peut rivaliser avec d'autres personnes. Et tout à fait, c'est tout l'objectif de l'événement, c'est vraiment de pouvoir partager un événement entre pros et amateurs et c'est génial de pouvoir vraiment échanger sur la piste, effectivement, sans trop se bumper. Bon, après il y avait pas mal de drapeaux jaunes, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir vous avoir tous effectivement aujourd'hui sur la piste. Ça donnait un bel événement quand même. Il y a eu quand même pas mal d'agressivité de la part de certains pilotes qui sont venus de loin, donc voilà. Mais bon, après malheureusement ça c'est des choses qui font partie de la course, donc il y a des choses qu'on peut pas maîtriser, donc voilà, faut juste être patient et puis saisir les opportunités quand elles sont là. En tout cas, bravo Ulysse, encore pour cette deuxième position. On te souhaite une bonne soirée, encore félicitations et bon courage pour la saison qui va redémarrer. Paul nous expliquait là que ça repartait du côté de Valence au mois de mai. Donc, on te transmet les mêmes encouragements pour cette saison à venir et puis on te souhaite le meilleur évidemment. J'y travaille, je travaille pour revenir cette saison, donc pour l'instant c'est encore trop tôt pour le dire, mais voilà, après il y a le sim racing, en plus de faire du iRacing je suis sur Assetto Corsa, sur une plateforme via WSS on croise plusieurs sim racers, en plus on peut télécharger des circuits, des voitures, et il y en a beaucoup, et en plus je roule avec pas mal de sim racers. Après il y a d'autres jeux que j'ai pas encore testé, donc comme Assetto Corsa Competizione, ça je verrai un jour si je pourrais l'installer. Puis après sur iRacing je vais voir pour faire d'autres championnats à part les courses officielles. Et aussi je vais essayer de trouver d'autres championnats. De toute façon, nous en tant que pilote, on a besoin de travailler non seulement le mental dans nos séances de sport, plus dans les simulateurs. Et les simulateurs, c'est vraiment, ça se rapproche de la réalité. Mais après, comme beaucoup de pilotes, je préfère le côté réel. Mais déjà, c'est bien qu'il y ait du e-sport et du sim racing et que ça se rapproche de la réalité. Et j'ai envie de rajouter une chose avant qu'on se quitte, c'est que effectivement, tu avais déjà participé aux premières Frascar Clash. Alors Paul Jouffreau, c'était la première fois, il a fini troisième pour sa première participation. Sur le premier Frascar Clash, toi, tu as fait deuxième et tu refais deuxième du coup. Ouais, c'est ce que je me suis dit, je refais encore deuxième, donc en partant parce que j'ai été donc sixième, après j'ai été dans le top 10, mais voilà, en plus il y a eu, en plus le Coilsum c'est vraiment un tout petit ovale et en plus je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de safety car, en plus vu comment que c'est petit, donc voilà. Ouais. C'est un peu la physionomie du circuit qui veut ça malheureusement, mais au final tu l'en es très bien tiré, puis encore félicitations. C'est toujours un énorme plaisir de pouvoir t'avoir avec nous, à la fois parce qu'on ne nous voit pas toujours, mais tu roules aussi avec nous et les membres de l'équipe du Frascar de temps en temps, et c'est toujours un énorme plaisir de t'avoir, et sur ce type d'événement comme ça aussi, puisque tu fais vraiment partager ton expérience de pilote professionnel aussi au passage, et c'est toujours un grand plaisir de t'avoir.
Moi aussi, et puis en plus, c'est très spécial parce qu'en plus, là, comment je roule toujours avec le logo de l'autisme, comme c'était le cas lors du championnat iRacing International, et ça, voilà, donc j'essaie de. Alors j'ai pas pu parler de l'autisme dans le championnat iRacing International, mais en France voilà, j'essaie de, voilà, de porter un message pour qu'il y ait un peu plus d'avance dans ce milieu-là. Au Canada et aux États-Unis, ils sont très avancés là-dessus et j'ai l'intention de porter un message pour avancer les choses en France et même dans d'autres pays. Après, voilà, donc je continue de partager ma passion et ça me permet de m'ouvrir aux autres et voilà. C'est une bien belle cause en tout cas que tu veux aider Ulysse forcément. Donc un grand coup de chapeau à toi pour ça. Encore merci beaucoup d'être venu nous voir Ulysse. On te libère et on te dit bonne soirée à toi et à très bientôt. Ok. À très bientôt Ulysse. Bah, je vous remercie à tous, à vous aussi. Très bonne soirée. Ciao, ciao, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous retrouve. Allez. À bientôt. Merci. À vous. Ciao, ciao. Ciao. Et on va terminer ces interviews avec Keegan Lee, évidemment, le vainqueur 2021 de la INASCAR Coca-Cola Series, évidemment. On ne pouvait pas finir sans avoir Keegan quand même à notre micro. Alors bonsoir Keegan, on va essayer en français. Ah, c'est à vous, je peux faire le français ou l'anglais. on peut faire en français effectivement. Alors bonsoir Keegan et bienvenue sur iStart TV et puis alors parle-nous un petit peu de cette course, de ce Frascar Clash 2023, donc longtemps bien placé et puis finalement il y a eu cet accrochage à la fin qui casse un peu tout. Il y avait plusieurs des crashs, mais la dernière était la plus mauvaise pour moi. Oui, c'était un bon course. Et merci encore pour l'invitation. J'ai essayé de conduire en français, c'est Netroy. I wanted to race cleanly. Oui, proprement. Proprement. Oui, proprement. Il y avait beaucoup de pilotes que je ne connaissais pas, donc pour moi c'était important à conduire proprement. c'était une surprise à moi comment agressifs tous les pilotes étaient. Dès le commencement de la course, tous en train vers la fin de la course. Et j'avais une autre surprise que j'en sais, que je ne savais pas que la course était open setup. Je n'avais pas un setup préparé pour moi, donc j'ai pris 20 minutes pendant la practice pour construire un setup avant le commencement de la course. C'est une belle performance. Oui, ça n'était pas si mauvais pour 6 mois de préparation. Tout à fait. Et comment, voilà, ça c'est, c'était, on voit qu'il y avait beaucoup de drapeaux jaunes. Est-ce que, on voit que t'étais très patient sur les relances, etc. T'as super bien géré tes relances, et malheureusement, effectivement, le dernier drapeau jaune, voilà, il sort pas assez vite, en fait. Il aurait dû sortir plus vite, et t'aurais été crédité peut-être de plus de place, mais voilà. Au global, est-ce que ça a été plaisant, quand même, de venir participer, etc., sur cette épreuve? Oui, c'était une bonne différence, parce que je viens de faire le course à la même piste dans la série Coca-Cola et ça c'est beaucoup plus sérieux pour moi et j'ai eu le plaisir d'avoir une course fun, amusante pour moi et au sujet des drapeaux jaunes, le setup que j'ai construit, il y avait beaucoup de poids vers l'avant de la voiture. Jean, m'aider, ouais. S'il vous plaît. Non, c'est ça, t'inquiète. Okay. T'avais beaucoup de poids oui. Avant. Donc, une des settings, des ajustements dans le setup, c'est tu peux bouger les poids vers l'avant
et j'avais trop des poids à l'avant et pas assez des poids à l'arrière. Donc pour tous les restarts, mm-hmm. les recommencements pendant la course, je n'avais pas de traction. Parce qu'il n'y avait pas assez de poids. Donc tous mes restarts étaient très mauvais comparé à les autres pilotes proches à moi. Mais oui, c'était encore amusant. Et quand j'étais dans les virages, la voiture n'était pas si mauvaise. T'as une question, Lucas, pour ouais, Yann, oui. J'ai une question, je peux te la poser en anglais ou en français, comme tu veux. Si tu veux, je peux te la poser en anglais, il n'y a pas de problème. C'est en français, premièrement, ça marche pour moi. Ok, en français. Je vois que ça se voyait dans ton pilotage que tu avais beaucoup tendance à utiliser la ligne intérieure. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que vraiment doubler par l'extérieur était la bonne solution, ou est-ce que tu penses que vraiment la trajectoire à prendre était la ligne intérieure, parce qu'on a finalement vu très peu de dépassements à l'extérieur? On avait un peu l'impression que cette course était entre guillemets à trajectoire unique, car c'était celui qui avait l'intérieur qui allait automatiquement valider le dépassement. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, la piste est très petite, donc il y a seulement une ligne pour piloter, pour conduire vitement, rapidement. Mais la raison que j'étais plus à l'intérieur que la plupart des autres pilotes était pas la seule raison. J'ai voulu piloter safely, sauvement. Et je voulais éviter faire les collisions avec les autres pilotes. C'était juste une décision pour moi, pour être plus sauf. Okay. Et plus conservatif aussi. Mais oui, pour faire les dépassements, d'habitude, c'était impératif à utiliser les lignes intérieures. Mais pendant les restarts, quand tout le monde a voulu être dans l'intérieur de les virages, c'était possible à faire les dépassements à l'extérieur parce qu'il y avait moins des voitures à l'extérieur pendant ces moments. D'accord. Donc on peut voir que finalement ta stratégie, elle a changé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu étais derrière, tu décidais de prendre l'extérieur, mais à partir du moment où tu étais devant le peloton, pour toi, automatiquement, tu allais à l'intérieur. Exactly. And then just to say it in English a little bit more precisely, so I'm not looking for words. No worries. So, I was running very close to the inside wall, just to be a bit safer, but it wasn't any faster to run down there. It was faster to stay maybe just barely on the white line or just to the left of it a little bit. But when you're running really low like that, there's less grip. But it was possible to pass people on the outside, which I did a few times, because when everybody's fighting for that inside line, often people can't drive as fast on that inside line because there's so many cars. So everyone's waiting on the inside and driving much slower than they possibly could be. So I just drive on the outside and pass them at that moment. But it's a difficult choice when to do that, because sometimes you get stuck on the outside and can't complete the pass, and then you're stuck up there until you find a new hole. Yeah, because I have to tell you, and you can regret it, because when you got the cars in the last lap, the outside was the correct line and you choose the inside, and then you crashed into the into right the car. Yep. So next time try the outside, maybe you will have the advantage of the position. But yes, okay, thanks.
Alors il faut que tu nous traduises juste, Lucas, ce que tu viens de dire à la fin pour nos demi-viewers, c'est mieux. En fait, il expliquait tout simplement que pour lui c'était beaucoup plus simple de prendre l'intérieur. Il avait un setup qui était mieux à l'intérieur et pour lui c'était beaucoup plus safe de le prendre parce que d'un côté il y avait beaucoup de monde qui prenait l'intérieur, donc quand il y avait beaucoup de monde pour lui c'était mieux de prendre l'extérieur, mais par contre ça restait quand même la trajectoire la plus rapide. Et à la fin en fait je lui ai dit que au vu du crash qu'il y a eu à la fin, il aurait été préférable de prendre l'extérieur parce que forcément en étant à l'intérieur c'est là où il y a eu le contact, donc je lui ai tout simplement dit que la prochaine fois, il fallait qu'il essaye l'extérieur. Peut-être qu'il aurait l'avantage de la position. Je peux ajouter un petit peu à ça? Bien sûr. J'ai une petite règle que j'ai fait dans les courses de la série Coca-Cola. Quand il y a un crash à la fin de la course, probablement à le tour final, mon règle est que je suis la voiture en avant. Parce que s'il frappe une voiture stationnaire plus tôt et d'habitude, la piste devient claire pour moi. Yes, oui, exactement. Okay. Mais cette fois, ça ne marchait pas pour moi parce que on était seulement 30 ou 50 km à l'heure à ce moment, donc la piste ne devient pas claire pour moi et ça ne marchait pas, non. Next time. Oui. En tout cas, peut-être bravo. Peut-être si c'était Talladega. Ah oui, mais non, c'est pas Talladega. Évidemment, non, pas la même chose. En tout cas, bravo encore Keegan pour ta présence au Frascar Clash. Et puis, on te souhaite bonne chance pour le Coca-Cola Series, évidemment, qui va arriver très prochainement. Donc, bon courage et merci beaucoup d'être venu nous parler en cabine. Yeah, thanks to everybody that's watching. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup et bravo pour le français aussi. Oui. Vous pouvez le dire. Thank you, everybody. Très bon. And I can thank Jean for that. Évidemment. Jean y est pour quelque chose. On travaille. Merci, Keegan. À bientôt. Merci, à très bientôt. Allez, quelques mots rapidement pour finir avant de rendre l'antenne avec quand même Frédéric Ladouceur qui va venir nous parler un petit peu de sa course et puis on rendra l'antenne après messieurs évidemment, mais quelques mots avec Frédéric le pilote de cette numéro 51 qui a passé par plusieurs états à mon avis dans cette course. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors, raconte-moi un petit peu ta course, ton point de vue avec cette voiture numéro 51. Tu as longtemps, sur le tout début de course, été aux avant-postes. Et puis après, malheureusement, tous ces yellows, toutes ces successions de difficultés pour toi, malheureusement. Ouais, en vrai, en début de course, je m'attendais pas à grand-chose. Je voulais prendre réellement mon temps. Donc, en début de course, je ne forçais vraiment pas du tout. J'étais surpris malheureusement par l'agressivité des pilotes en début de course. Donc il y avait énormément de dive bombs. Donc à minute qu'un pilote se pointait à mon intérieur, j'ai ouvert la porte pour le laisser passer. Mais malheureusement vers le tour, je pense que c'est 73 ou 74 environ, je pense que malheureusement, je sais pas si Guillaume a fait une erreur, mais il m'a percuté sur le coin arrière droit à l'entrée de virage. Puis ça, malheureusement, ça m'a littéralement tué. Ouais, malheureusement. Jean, une petite question pour Frédéric. Ouais, t'as tapé l'avant à un moment donné, non? T'avais beaucoup de réparations. T'as eu combien de temps de réparation du coup au final? En gros, ma direction était complètement déréglée suite à cet incident-là. Donc j'ai eu 2 minutes de réparation, ce qui m'a mis 3 tours de retard. Mm-hmm. 4 tours de retard. Je suis tombé à 3 tours de retard à cause du Lucky Dog, mais malheureusement, il y a eu un incident où ce que. Les gens derrière de moi, ça faisait déjà un assez bon moment que le drapeau jaune était sorti, mais certains en arrière n'avaient rien capté, puis malheureusement je me suis fait vraiment rentrer dans le bumper arrière, donc j'ai pas pu revoir mon Lucky Duck cette fois-ci là étant donné que j'avais eu un point d'incident là-dessus.
Ah, mais malheureusement, il y avait trop de drapeaux jaunes successifs en plus pour rattraper éventuellement le peloton ou avoir des drapeaux jaunes pour le Kidog, puisque ça restait globalement figé dans les positions, malheureusement. Et comment t'as apprécié du coup, comment t'as apprécié cette course de pouvoir courir avec d'autres pilotes pro, etc. Comment t'as ressenti tout ça malgré tous ces drapeaux jaunes? Ben, il y a plusieurs noms que j'étais déjà habitué, comme Trayton, j'avais déjà roulé pas mal avec lui dans le passé, pendant la pandémie. Donc, tu sais, c'était pas vraiment un visage nouveau pour moi. Keegan, qui était aussi une personne que j'y ai déjà parlé plusieurs fois dans le passé pour qu'il me fasse des setups pour lorsque je roulais dans une série Cup le vendredi, en fait, que je roule toujours là. Mais donc, pour moi, c'est un peu des pilotes comme d'autres, même si ce sont d'excellents pilotes. Trayton Latsevich, qui est un de nos pilotes, grands pilotes relève au Canada, avec un très grand avenir devant lui, puis Keegan qui est notre champion du monde, je pense, de 2021, si je ne me trompe pas. Mais pour de vrai, ça fait énormément plaisir de pouvoir encore rouler avec eux. Tout à fait, t'as pu rouler avec tes coéquipiers. Je sais pas, c'est pas à un moment donné Lucas qui te touche à un moment donné? Ou je confonds avec... peut-être que lorsque j'étais retardataire, ça se peut très bien, mais sinon, quand j'étais sur le tour du meneur, je ne crois pas. D'accord, ok. Non, ça marche. Bah écoute, ravi que ça t'ait plu. Est-ce que Cool Kids a des questions ou Fort Class? Ou Lucas, peut-être, ouais, une dernière question? Bah ouais, c'était pour savoir à peu près comment toi tu gères la course quand voilà tu sais que effectivement tu t'as déjà pris 3 tours de retard. Comment tu vois la suite de la course? Est-ce que tu rentres dans une course de gestion ou est-ce que tu dis bah voilà sur quel aspect en fait tu te concentres lorsque tu sais que bah déjà au vu de comme Jean l'a dit au vu des drapeaux jaunes ça va être très difficile de revenir dans les tours parce que la course est très hachée. Donc sur quoi tu te concentres? Est-ce que tu te concentres vraiment sur essayer de dépasser? Est-ce que tu te concentres peut-être sur d'autres aspects? Voilà. Qu'est-ce que tu priorises à ce moment-là? Donc du coup, j'essayais de rouler la ligne extérieure étant donné que tout le monde faisait la queue leu-leu sur la voie intérieure. Donc ça me laissait vraiment la voie extérieure complètement ouverte, mais mon but était vraiment de ne pas faire de X, parce que si mettons il y avait un drapeau jaune et je faisais un X en même temps, je perdais mon ticket de Lucky Dog. Donc du coup il fallait vraiment que je fasse attention et je me suis fait peur avant même que la course débute, avant même que la session de pratique débute. J'étais certain que c'était setup fixe. Donc moi du coup j'ai pas bossé sur aucun setup. J'étais au courant de rien parce que je me suis juste mal informé par ma propre faute, en gros. Donc, du coup, au début, c'était compliqué de travailler pas de setup, mais finalement, mon équipe RBS avait déjà peaufiné un tout petit setup, qu'elle est quand même assez bien. Mais il y a quelqu'un, malheureusement, qui a partagé un setup à tout le monde dans la session, genre par accident. Donc du coup, j'ai essayé ce setup-là, puis il allait mieux que celui que la RBS avait confectionné. Mais malheureusement, pour vrai, avoir su que ça aurait été open setup, j'aurais mis ma main à la pâte moi aussi pour avoir un setup qui allait au-delà de mes attentes. On verra sur le premier Frascar, t'étais dans l'entrée liste, est-ce que tu l'avais fait? L'année dernière? Ouais. Non, j'avais pas été là. Ah oui, j'étais même pas encore dans le IFRN non plus. Ouais. Mais t'étais sur le... je t'avais noté sur l'entrée, c'est pour ça que j'étais persuadé que tu l'avais fait, mais en fait non. Mais non, voilà. Bah, pour la prochaine, en fait, le premier, pour te rappeler, en fait, il était en setup fixe. Et en fait, même moi, j'ai découvert aussi un peu que c'était un open setup au final. Et j'ai pas communiqué trop dessus. Mais pour la prochaine fois, à voir effectivement si on repasserait pas en fixe. Enfin, je discute avec les Glad DDS si on conserve ce schéma-là ou pas. Mais en tout cas, on vous préviendra bien plus tôt, bien sûr, si c'est de l'open setup. Parce que pour éviter que vous soyez pris au dépourvu. Mais pour elle, tu t'en es sorti. Ouais, je m'en suis sorti avant que je me fasse détruire, malheureusement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Frédéric d'être passé à notre micro, c'est très sympathique évidemment de t'écouter. Merci beaucoup et quand même bien bravo pour ta participation à ce Frascar Clash et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Yes, merci à vous. À bientôt. Bravo encore Frédéric. À très bientôt. À plus.
Voilà, on touche à la fin de cette retransmission, messieurs. On a eu tous nos prestigieux invités au micro. Merci beaucoup, Jean, pour les avoir invités, qu'ils aient aussi répondu présent. Un petit coup d'œil sur le calendrier rapidement de ce qui arrivera concernant la NASCAR sur les antennes de Restart TV, puisque le Frascar étant derrière nous désormais, place au championnat international iRacing Series avec le premier rendez-vous le 17 février. Ce sera donc les vendredis soirs et les Daytona 500 avec les fameux 200 tours de ce super speedway pour démarrer le championnat. On a assez hâte d'y être. Vous découvrez les rendez-vous avec quelques routiers. On a déjà pu eh bien en débattre longuement lors des diverses émissions. Et puis, on espère que vous serez au rendez-vous. Pour ceux qui veulent encore du clash, sachez qu'il y a le clash cette nuit, si je dis pas de bêtises, en réel. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous pourrez voir ce que ça donne du côté du réel. C'est cette nuit au Coliseum également, forcément. Et puis, voilà, il me reste plus qu'à te remercier, Jean, pour eh bien, cette prestation. Et puis, le rendez-vous du Frascar Clash, qui aurait été un beau rendez-vous aussi. J'espère que ben, ça t'aura plu, que tu as pris plaisir à commenter, tout comme Lucas. Bah écoute, moi ça m'a beaucoup amusé finalement. Au début j'avais un peu peur qu'il y avait trop de drapeaux jaunes, mais au final ça n'a même pas dérangé tant que ça les pilotes. Ils savaient, ils s'y attendaient de toute façon. Et au final, bah, tout le monde a passé un bon moment. En fait, c'est aussi ça l'esprit de cette course. C'est-à-dire que à la fois, bon, les pilotes se disent bon, j'aimerais quand même la gagner, tu vois, pour le quand même, c'est intéressant, voilà, il y a d'autres gros noms, etc. Donc j'ai envie de m'imposer, mais en même temps, ça reste un peu, tu vois, bon enfant, bonne ambiance. Comme le disait très bien Keegan, tu as les enjeux d'une vraie compétition mondiale. Tu ressors d'une compétition mondiale le mercredi comme ça et tu viens au Frascar Clash le dimanche, bah c'est tranquille, tu vas serein, relax, et le but c'est de rigoler et de passer un bon moment entre nous. Et je pense que tout le monde l'a bien compris, et ça c'est avec grand plaisir que j'accueille ça, puisque tout le monde a passé un très bon moment, c'est très important. Et puis bah, hâte de remettre ça pour 2024. Et oui, parce que le Frascar Clash, ça va revenir. Ça reviendra tous les ans à peu près à la même période. Donc on vous tiendra au courant sur les... Voilà, et puis on invitera à nouveau des pilotes professionnels pour à nouveau s'affronter avec des amateurs, et ça va être toujours du plaisir. Et j'aurai le plaisir de commenter la course de Daytona. Donc on se donne rendez-vous. Parce que ça va être une belle course, ça je n'en doute pas. Le 17, évidemment. Merci beaucoup aussi à Lucas Forclaz qui était avec nous pour commenter eh bien, sa passion du NASCAR. J'espère que tu auras pris plaisir. Je ne sais pas si tu seras avec nous pour Daytona. Ah, je sais pas, j'ai une course très importante le lendemain. Je sais bien. C'est ouais. Ça va être compliqué. À voir. Allez, en tout cas, merci beaucoup. Je sais que tu roules aussi mardi sur nos antennes, puisque c'est le prochain rendez-vous sur la chaîne pour nos amis viewers. Vous retrouverez eh bien Nirotoa et Magnus mardi prochain pour eh bien le championnat sprint de printemps organisé par TFR. Ce sera sur Assetto Corsa Competition et ce sera du côté de Spa-Francorchamps. Voilà pour le prochain rendez-vous, et puis on aura une semaine assez light la semaine prochaine, puisque le prochain rendez-vous sera lundi d'après avec le retour du GT4 Fixed Tour sur iRacing, la deuxième manche du championnat. Voilà messieurs, merci beaucoup à Bistou et à Juju pour le côté technique et la réalisation. Comme d'habitude, impeccable messieurs. On remercie notre partenaire Redion également qui nous fait confiance et qui est derrière nous sur eh bien, l'aventure Restart TV. Merci aux viewers, merci aux follow, merci aux subs, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite de passer une très bonne soirée et on vous donne rendez-vous mardi pour une prochaine course sur la chaîne. Ciao, bye bye. Ciao, merci à tous.